Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien ce samedi 1er juin, 1er juin 2019. Il est 20 et bienvenue à tout le monde sur ce live. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir de venir ce soir. Moi, ça me fait plaisir de vous voir de toute façon. Et enfin, mes amis, ça y est, c'est le week-end, ça y est, c'est le week-end. Oh putain, c'est le week-end, on en profite à fond, hein. À fond les roulettes. Alors, ce soir, on va pas faire du ETS, on va pas faire du WoW, etc. Ce soir, on va faire du Warhammer Chaosbane. J'ai trop vite lancé le live, en fait, je suis désolé. J'ai trop vite lancé le live et en fait, je voulais vous lancer l'invite pour Warhammer Chaosbane. Mais ce soir, c'est du Warhammer Chaosbane. C'est un jeu qui sort le 4 juin, qui est disponible après commande. Et du coup, j'ai testé tout à l'heure, ça marche très très bien. Donc du coup, moi, je me dis, ah, c'est ça. Ce soir, on va tester du Warhammer Chaosbane. Donc, c'est parti du Warhammer Chaosbane. Je vous laisse l'introduction. J'enlève mes stylos, ça sert à rien. C'est du boulot, bordel de merde. Allez, Warhammer Chaosbane, c'est parti. Tranquillement, je vous laisse l'intro. Si j'y arrive. Voilà, je vous laisse l'intro, messieurs, dames. C'est parti, on peut. Allez, à tout à l'heure. In an age of lawlessness and despair, the Empire of Man lay in ruins, torn asunder by civil war, and racked by famine and plague. Desperate, unscrupulous men deserted the temples of their fathers and gathered in forbidden cults, seeking the favor of the Dark Gods. And so it was. In the year 2301, did a Kurgan warlord named Asavar Kul united the savage tribes of the Chaos Wastes and made war upon the realms of men. The invaders entered the distant northern kingdom of Kislev and sacked its largest city, Prague. They sacrificed its people to their dark gods. And any who managed to flee were driven into the freezing wilderness. The Empire seemed powerless to stop the Chaos Horde, and many feared that the end of the world was at hand. But in the Empire's darkest hour, a nobleman from the south named Magnus rallied the people of the Empire to resist the invaders. Uniting the warring Elector Counts in the process. The Imperial Army marched to the rescue of the Kislevite capital, fighting Kul's army in a massive battle outside the city walls. Joined by mighty heroes from all across the land, Magnus defeated Kul in single combat, and the Chaos Horde was scattered to the winds. Blessed by the gods, and heralded as the true Emperor, Magnus returned to Nuln in triumph. But even as the old world celebrated Magnus's victory, the Dark Gods were planning their revenge. Alors voilà, l'intro du jeu est finie, donc on va lancer le jeu tranquillement. Je vais commencer à créer un perso normal. Je ne sais pas si on peut le supprimer. Je vais essayer de le lancer et voir s'il y a une introduction. The High Elves of Ulthuan are masters. Je vous laisse avec l'intro du perso, c'est parti! You were born to a life of great power and privilege, destined one day to take your place among the Archmages at the Tower of Hoeth. The arts of magic came easily to you, but as your skill grew, so did your arrogance. A rivalry with another student at the tower spun out of control, culminating in a magical duel that left your rival dead and one of your teachers crippled. As punishment for your recklessness and disobedience, you were banished from Ulthuan until you had atoned for your crimes.
cast out with nothing but a few magical tomes and the clothes on your back, you journey to the old world in search of adventure. At first, the news of the Chaos invasion meant little to you. Your people had been fighting the Dark Gods and their armies for thousands of years. But then you learned that Teclis, Hoeth's greatest living archmage, had come to the old world to offer his support to Magnus and the Empire. Believing your moment of redemption was at hand, you rushed north to join the Imperial Army. Magnus accepted your offer at once, glad for another mage to battle Kul's sorcerers. As the day of battle dawned, you were determined to prove your worth or die in the attempt. While Teclis shielded Magnus from the enemy's spells, you fought Kul's sorcerers and demons with all the skill at your command. By the time the battle was over, you were a hero. Magnus offered you a place in his retinue, a position of tremendous power and influence. Such trifles meant nothing to you. All that mattered was the opinion of Teclis, who could end your bitter exile with just a few words. And so you have chosen to travel to Nuln with the Imperial Army, determined to win the favor of the High Loremaster at any cost. If that meant protecting Magnus from his enemies and rebuilding the ravaged human empire, then that is what you will do. It was an age of lawlessness and despair, a time of dark magic, treachery, and war. It is a night made for witchery and evil deeds. And across the city, guardsmen clutch their weapons tightly and count the hours until the dawn. Sleep is hard to come by on a night such as this. The air is tense, and memories of the battle at Kislev leave you restless and on edge. Suddenly, a peal of thunder shatters the stillness, followed by a howling wind that shakes the tower to its foundations. Foul magic curdles the air, and screams echo in the courtyard outside. The tower is under attack! There is sorcery in the air. I can feel it. I'd best get to the courtyard and see what's wrong. Alors, messieurs, voilà, c'est reparti. Alors, je vais vous remettre ma petite cam tranquillement. Que voici. Alors déjà, moi, je vous le dis franchement, l'intro, je la kiffe parce que je trouve qu'elle est bien ressemblant au monde de Warhammer, en tout cas. C'est très parlant. Visuellement, c'est très parlant. Après, je tiens à préciser une chose. Le jeu, je ne le connais pas du tout. Je sais pas comment on joue. J'ai juste fait des réglages, j'ai mis qualité graphique au maximum de ce que je pouvais. Après voilà. Ok, c'est un peu comme Diablo, tu cliques, ça se déplace, tu restes cliqué, ça se déplace. Ok, c'est super. Qu'est-ce qu'on a ? Utilisez l'inventaire. Utilisez la souris pour sélectionner l'emplacement, puis appuyez sur protéger avec votre équipement. Ok, on a de l'équipement, attaque, défense, poids porté, ok, mana, point de vie, mana, je pense. Les compétences, équiper une compétence, coupe des points de compétence. Vous en gagnez à chaque niveau et récupérez le coup si vous la déséquipez. Ok, de toute façon, on touche à rien, on verra comment que ça se passe. L'état, niveau 1, je sais pas ce que c'est. Manipulation des vents magiques, permet de changer la position du dernier sort lancé. Ouais, blablabla. C'est un peu un Diablo en fait, hein. C'est un peu un Diablo 3, de toute façon, à ce que je vois, le journal, ça marche pas. C'est qu'on n'a pas accès. Donc il demande quitter le dortoir. Donc je pense que c'est ça. Ma souris dessus, ça clignote. Yo Vivien. Ouais, ça va tranquillement. On est en week-end, c'est super, le travail est fini. J'ai une demi-heure de retard pour mon stream, mais ça va, ça change pas d'habitude. C'est quoi ça? Ah là, c'est la map, d'accord, en haut à droite, c'est la map, ok. Ok. Donc le personnage ne se déplace pas, mais la map se déplace en fonction du personnage, ok. Allez hop. Des Ungors. Les Angors dans le monde de Wara, c'est des petits hommes bêtes. Les Angors, la tour est attaquée. Ils sont là pour Magnus. Je dois entraver leur progression.
Alors, faut savoir qu'on joue en 2301. Vous qui êtes spectateur, vous savez très bien que je suis un grand fan de Warhammer depuis plus de 25 ans. Depuis 95, je suis un grand MJ à Warhammer et ancien chef de rubrique du SDEN, de la rubrique Warhammer. Et vous savez que j'adore Warhammer. Je suis un fan de Warhammer. Donc, visuellement, il est très très beau. Hein. Visuellement, très très beau. Il n'y a pas à chipoter de toute façon. Depuis Vermintide, Games Workshop fait vraiment de la bonne qualité au niveau du cahier des charges. Franchement, c'est joli. Donc, pour l'instant, ça joue juste à la souris. Il y a juste à cliquer, ça se déplace. Alors, entrer dans la tour. J'essaie de visiter un petit peu, de voir. Donc, on joue en 2301, c'est-à-dire 200 ans avant les événements de Karl Franz Ier dans le vieux monde, dans le monde à l'époque du Warhammer jeu de rôle. Donc 200 ans plus tôt, à l'époque de Magnus dit le Pieux. Donc pour le rappel des faits, donc le chaos avait envahi le vieux monde en passant par Kislev et par Prague. Ils avaient pillé Prague, complètement presque détruite de mémoire. Donc là, je sais plus où je suis. Je crois que je suis à Prague, il me semble. Ça, c'est quoi, ça? Alors, est-ce que c'est... Je sais pas. Pour l'instant, c'est un mode un peu découverte. Là, on découvre les touches. C'est un peu le didacticiel. Donc, on fait ce qu'il nous demande de faire. Massacrer les ennemis. Ok, on reste appuyé. Ça bombarde des boules de feu. Viser un ennemi et utiliser... Ok, non, si je monte sur 1, on va faire le test. Massacrer des ennemis. Ah, c'est pas les ennemis, c'est des ennemis. La statue de Sigmar. Oh, enfin, ce Sigmar. C'est un peu un Diablo, hein. Franchement, je vous le cache pas. Ça ressemble à Diablo. C'est très beau visuellement. Ça représente bien l'esprit de Warhammer en cette époque de 2301. Sachant qu'en 2500, quand on joue au JDR papier, c'est plutôt un monde calme, apaisé, construit, où se jouent des complots, des trames, le chaos a un peu marre d'envahir le vieux monde sous forme d'invasion. Ils utilisent plutôt l'esprit humain pour le pervertir. Là, c'est vraiment plus de la boucherie, de l'invasion pure et dure, quoi. Bon, ça marche pas, donc faut rester cliqué. Un petit bout de feu gentillet. Alors, se soigner. Lorsque votre santé est basse, utilisez votre potion appuyant sur A. Vous devez attendre quelques secondes que votre potion se recharge avant de pouvoir l'utiliser à nouveau. Donc là, on est blessé. J'appuie sur A. Ok. Et on a un cooldown de 30 secondes. Ouais, c'est gérable. C'est gérable. On a un gros point d'exclamation là en haut à droite. Alors. Si on fait clic droit, il se passe rien. On dirait une quête. Alors, j'ai décidé de jouer sorcier parce que je kiffe les sorciers et je kiffe les elfes. Surtout l'aspect Teclis, les mages blancs de Tour de Hoed, si vous connaissez pas. Si dans le chat vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, sur l'univers de Wara. Si je peux vous y répondre, j'y répondrai dans tous les cas. Allez, on clique sur lui. Que Sigmar soit loué, vous voilà. Il y a des monstres partout. La tour est infestée. Bon, déjà, si on a niveau 1, ce qui a plusieurs niveaux. Je vois bien, mais si. Oui, Magnus. À l'étage, dans la salle du trône. Et si vous avez besoin d'une armure, vous trouverez dans le coffre à côté de l'escalier. Mais dépêchez-vous. Ah, le coffre, ok. Prendre des objets dans le coffre. Ok. Alors, est-ce que si on reste appuyé sur Alt? Ouais, si on appuie sur Alt, du coup, ils montent tous les objets, c'est super. Alors, vous avez du nouvel équipement dans votre inventaire, appuyez sur I pour accéder. I. Ah, il l'a auto-équipé, ok. Donc, on a de l'armure, santé maximum. Génération d'énergie. Contrée où il dirige la tour de Hoed, la plus grande centre d'érudition magique du monde. Safri est célèbre pour ses moines dont la maîtrise des arts martiaux n'a d'égal que leur sens tactique sur les champs de bataille. Ouais, c'est totalement vrai. Il faut savoir que dans le monde de Warhammer, dans l'île du Tuan, l'île des hauts elfes, entre guillemets,
Il faut savoir que, mis à part le puits de magie, la tour blanche de Hoët, on dit la tour blanche, la tour de la pureté, et en fait, c'est les plus grands magiciens du monde de Warhammer, tout continent confondu, c'est les Hauts-Elfes. Pourquoi ? Parce que Teclis et la tour blanche de Hoët, c'est une tour de magie qui dit que n'importe quel sort dans le monde de Warhammer qui est inventé, qui est lancé, automatiquement, il y a une copie de ce sort qui apparaît dans un livre, dans un grimoire qui est rangé dans la tour blanche de Hoët. Donc les sorciers de la tour blanche de Hoët connaissent tous les sorts qui existent dans le monde de Warhammer. L'âme de mage de Saferi équipée, plus 2% en perce armure, plus 4 dégâts, ok c'est super. Là putain, on a plein de trucs, hein, c'est... Oh là, on peut pas cliquer partout, on n'a pas la clé kit. Pour l'instant on a un pauvre mage à poil niveau 1. Allez, on continue. Non, c'est bien. Alors, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Lorsque votre personnage gagne un niveau, il gagne de nouvelles compétences accessibles via l'onglet de compétences du menu du personnage. Équiper une compétence coûte des points de compétence. Vous récupérez immédiatement les points utilisés lorsque vous déséquipez une compétence. Ok, je vois pas trop ce que c'est, mais bon, on verra bien plus tard. Alors, ce qui est bien, on voit les ennemis sur la carte. Alors j'ai juste à rester, à besoin de cliquer tout simplement, et quand je cible un ennemi, tout simplement, juste à rester appuyé et continue à focaliser sur l'ennemi, ça c'est bien. Alors ça c'est quoi? Sphère magique qui blesse les ennemis qu'elle traverse. Ah ouais, ça c'est bien. Donc on fait de plus en plus de dégâts, donc c'est cool. Donc là il n'y a rien. Massacrer des ennemis, là il n'y a rien. Alors faut savoir que la boule par exemple que je suis en train de lancer là, il y a qui rebondit en plus. Drachenfels, le grand magicien, enfin c'est pas un magicien, le grand démon de Drachenfels, pardon, utilise la même sorte de boule, par contre elle ne rebondit pas, elle traverse tout et tout ce qu'elle touche meurt instantanément. Donc c'est vraiment, je ne sais plus le nom du sort exact, c'est toujours intéressant. Alors, la compétence d'archétype d'Elontir est la manipulation de l'Aether. Elle lui permet de contrôler la position de certains sorts persistants indiqués par le symbole. D'accord. En appuyant sur espace, le sort nous passera alors vers le curseur. Seul le dernier sort lancé peut être contrôlé de cette capacité. Ok. Donc normalement... Voilà. Ah ouais, ok. Je lance la bouboule et en appuyant sur espace et en pointant ma souris à divers endroits, la boule, en fait, suit le sort. Regardez bien. Hop. Ça fait que je peux faire un carnage complet. On va faire le test. Ça peut faire très très mal. Salle du trône, c'est une boucherie. As you reach the throne room, the air seethes with foul magics. A chaos sorceress stands before the throne, and Magnus, the savior of the empire, is caught. Un sorcier noir. Shouting a challenge, you prepared your counter spells. But the enemy struck first. By the time you regain your senses, the battle is over. The sorceress is gone, leaving you and Magnus for dead. Oh, des répugnateurs. The shouts of angry men fill the throne room. But these are not guardsmen. They are witch hunters. The Empire's feared... Heinrich Voss! Waouh, c'est un des plus puissants répugnateurs. Le plus craint. You are under arrest for the murder of the Emperor Magnus, Voss declares. You try to tell him about the sorceress, but Voss... refuses to listen. I see no sorceress here, he shouts. Only you and a room full of dead men. Confess your crimes, elf, Voss threatens. We will have the truth from you one way or another. After a week in the dungeons, you'll tell me everything I want to know. But before the witch hunter could make good on his threat, a commanding voice filled the room. Stop this madness at once. This is the work of chaos, Teclis says. Sorcery of the darkest kind. Teclis examines Magnus in silence. He lives, thank the gods, the High Elf says at last. But he is in the grip of a powerful curse.
It is only a matter of time before he succumbs. No one outside this room must know what happened here. If the people learn that Magnus has fallen, then everything he fought for will have been for nothing. The fate of the Empire lies in our hands. We must find this sorceress and end the curse before it's too late. If Magnus dies, the Empire dies with him. Bon, en tout cas, Teclis est bien représenté. Hein. Même Heinrich Voss, tout ça, niveau graphique, les personnages sont vraiment réels par rapport à Games Workshop. Hein. Ça, c'est vraiment top. Hein. Franchement, ils ont bien fait les choses. Nickel. La ville est en proie de redoutables forces ténébreuses. Pour débusquer la sorcière et la terre racine, nous devons affronter le culte obscur qui gangrène Nud et en identifier le maître nébuleux. Je suis à vos ordres, grand maître du savoir. Je montrerai à ces humains toute la puissance d'Azur. Votre courage vous confère un grand mérite, jeune prince, mais ne sous-estimez pas vos ennemis, ils sont bien plus forts que vous ne pouvez l'imaginer. Les gueux qui ont attaqué la tour provenaient des égouts tentaculaires sous la ville. Tant que l'ennemi aura la main mise sur les tunnels menant à la tour, nous serons vulnérables. Votre première tâche est simple, pénétrer dans les tunnels et chasser les fanatiques qui attaquent la tour. Massacrez quiconque se dresse sur votre chemin, mais prudence, nul ne sait quelle monstruosité se tapit dans l'obscurité. Ok. On peut pas zoomer. À mon avis, là, ce sont des maîtres des épées, je présume. En tout cas, comme d'hab, je suis dans le bureau de Teclis. Hein. Y a pas photo. C'est bizarre de voir des allié aux elfes ici. Soit, pourquoi pas. Alors. Je suppose que je dois aller là où ça clignote. Ah. Invasion, expédition, boss rush. Quel principal ? Cerberus, une vie gangrenée, purifions-le par le feu ou offrir une mort rapide aux enfants. Ouais, mais on joue en 2300 Cerberus, donc c'est l'époque de Magnus le Pieux. Donc comme je disais avant que t'arrives, c'est une sorte de Diablo 3 en version Warhammer. Le jeu il sort le 4 juin, mais je l'ai acheté en précommande et on peut déjà y jouer. D'accord, donc en gros blablabla. Attaquer une compétence primaire pour récupérer d'énergie, consulter... Alors, c'est quoi ça? J'ai dit couronne d'or. Ah putain, bien, ils ont même mis couronne d'or. C'est la vraie monnaie dans le monde de Warhammer, c'est couronne d'or. Je suis bien satisfait pour l'instant, c'est bien respecté. J'ai hâte de voir la suite. Multijoueur, oui, ça l'est, ouais. Multijoueur jusqu'à 4 en multijoueur. On peut jouer à un elfe sylvain, un haut elfe magicien, et un nain tueur et un humain. Alors, il est à 50 euros sur Steam, mais sur Instant Gaming, en bas de cette page, si tu cliques sur mon lien, tu auras l'accès au jeu à 29 euros. Donc, pour l'instant, je suis satisfait. Le jeu est bien respecté. Hop. Allez, hop, on contrôle le petit sort. Oh, c'est génial, en tout cas graphiquement, je vais peut-être me répéter plusieurs fois, je suis sincèrement désolé, mais graphiquement il est bien réalisé, il est beau, il respecte bien la charte graphique du monde de Warhammer, l'histoire c'est vraiment la vraie histoire de Warhammer pour l'instant, d'époque de Magnus, donc j'attends de voir la suite. Oh. Ouh. Ok, je suis empoisonné en plus. Putain, saloperie. Ah,
Putain, la boule elle fait mal. La boule elle fait mal. Alors pour soigner, c'est A. Hop là. J'ai pas l'autre pépette. Allez, petit nettoyage par le vide. On fait l'aspirateur. Après, il me semble plus que le jeu est fait par un studio complètement français. De mémoire. Un coffre. Waouh. Ok, on a des trucs bleus. On va essayer de s'équiper. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on peut voir ce qu'on avait, ce qu'on a actuellement? Non, on peut pas voir ce qu'on a actuellement. Ah, c'est dommage. Ah, c'est marqué entre parenthèses. Ah, appuyez sur majuscule pour comparer. Ah, c'est super. Ok. Hop là. Donc maintenant, j'ai quoi? Tunique d'image de Safari. Donc c'est la même chose, mais version plus puissante, niveau 2, en bleu. En tout cas, pour ceux qui connaissent pas le monde de Warhammer, pour l'instant, c'est bien, bien présenté, quoi. Donc on joue 200 ans avec, avant l'époque du JDR papier, des histoires de Karl Franz. Donc pour l'instant, ça va, ça me plaît. C'est juste un peu le système des touches que j'ai pas trop l'habitude. Mais après, je pense que c'est un coup à se faire. Une petite prise en main, rapide. Ça, c'est les Snotlings, on s'en fout. C'est de la merde. Toutes les merdes là. Allez, ça dégage. Donc là, j'ai quoi, une pièce d'or? On voit pas les pièces d'or. 184 couronnes d'or. Je suis extrêmement riche, hein, dis donc. Pour l'instant, les sorts sont bien réalistes comparé au monde de Wara. La boule de feu, l'arbre, la projection d'Akshi et puis l'arbre Achirik. C'est vraiment des sorts qui existent dans le monde de Wara. Bon, c'est des sorts qui sont pas très connus parce que c'est vraiment des sorts purement aux elfes, donc la magie blanche. Marche entre les mondes. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Se téléporte sur une courte distance. C'est quoi? C'est 1. Ok. Donc, je vais refaire le test. Là. Ouais. Ça, c'est les sorts qui existent réellement. Alors. Allez, bot. Bot mage de Kalidor. Le royaume montagneux de Kalidor est la terre natale des plus puissants dragons du Tuan. C'est vrai. Les mages du grand prince dragon symbolisent de la force incommensurable et les splendeurs inouïes de ces créatures formidables. C'est totalement vrai. Pour l'instant, c'est tout ce qui est noté, c'est seulement ça. Hein. Si seulement on pouvait gagner des couronnes aussi vite dans le JDR papier. Faut pas comparer l'époque de Karl Franz en 2500 et Magnus en 2300. À l'époque de Magnus, tu gagnais plus vite des couronnes d'or, tout simplement parce qu'il y avait plus de mercenaires, c'était la guerre, c'était ça. Comme j'ai dit, à l'époque de 2300 avec Magnus le Pieux, faut savoir que c'est l'invasion du chaos qui arrive dans le vieux monde. Par Prague, ils ont rasé Prague et ils arrivent dans le vieux monde et donc ils ont foutu le bordel dans le vieux monde et le chaos est partout. Alors que en 2500, le chaos n'utilise pas vraiment une horde d'invasion, mais utilise plutôt laisse plutôt le monde tel qu'il est et essaye plutôt de la fourberie, la manigance pour commencer à détourner les gens dans l'ombre sans modifier le truc actuel. Et enfin, en mise en place, donc en 2300, tu gagneras plus facilement des pièces d'or, pardon, des couronnes d'or, plutôt que en 2500, où là on a quand même un système économique qui est bien mis en place. Par exemple, des héros elfes, il y en avait, je sais qu'à l'époque de Magnus le Pieux, il y en avait, mais je sais très bien qu'à l'époque de Karl Franz, il n'y a quasiment pas de héros elfes, quoi. Les Wolves sont pris dans des guerres elfiques avec les elfes noirs.
Et ils n'ont que faire du vieux monde. Bien sûr, je ne dirai pas ici le pourquoi du comment, mais forcément, quoi. Ce sort, c'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie, ce sort. Après, les ennemis qui lâchent 9 pièces d'or... Ouais. Va savoir un peu pourquoi du comment, quoi. Après, il faut savoir que, par exemple, une troupe de mercenaires dans le monde de Wara... même si toi, tu penses que c'est pas beaucoup en pièces d'or... Une troupe de mercenaires, tu peux l'avoir pendant un mois pour 1500 pièces d'or. Hein. 1500 pièces d'or, t'as une troupe de mercenaires qui te suit au cul de la lettre. Hein. Ouais, je me souviens de Boganafan, c'est le sadique. Ah, mais ça, c'est l'époque de Karl Franz. C'est bien, ça fait aspirateur en même temps, c'est cool. Bon, après, je suis en difficulté normale, là. Je ne suis pas cassé la tête, mes amis, franchement. Ah, c'est foutu, majordome. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Pas de spoil, il y en a qui connaissent pas. Tiens, un résidu de capote troué. Après, c'est un jeu qui est très sombre à Warhammer. Faut dire que c'est quand même de l'humour bien noir. Hein. Après, soit c'est du monde bien noir, mais bon, après, on n'est pas dans le monde de 2300 de Magnus le Pieux. Bah, rien que je connais un petit peu, Magnus le Pieux. Hein. C'est vrai que c'est plutôt de la baston, et c'est ça qui m'a jamais trop tellement plu dans l'histoire, quoi. J'ai hâte de voir du scav. Hein. Ah. Il y avait du monde. Alors je disais, c'est marrant parce que cette boule là, quand on la lance, si on regarde bien, regarde, je touche pas. Elle rebondit contre les murs. Et c'est intéressant ce que je disais en début de ce live parce que cette boule, justement, le Drachenfels, il a la même boule, mais je connais plus le nom exact. Sachant que cette boule, chez Drachenfels, elle se déplace plus lentement, elle ne rebondit pas, elle traverse les murs et si tu le fais toucher, c'est one shot. Hein. Ah, un bracelet. On va prendre les objets, on va pas trop regarder pour l'instant. Putain, c'est vachement, c'est énorme quoi. C'est vraiment grand comme tout. Les décors sont bien faits, quoi. Bon, là, je suis un peu en mode didacticiel. Voilà. Là, c'est apprendre à jouer. Il n'y a vraiment pas trop de quêtes. Regarde. Waouh. Hop, tu veux, toi? Ouais, mais c'est fait de lumière, ça se... Ça se reflète bien, c'est joli quoi. J'étais pas au courant, tiens. Ah, mais Drachenfels, tu vois les sorts qu'il a. C'est simple, à un moment, je me souviens que dans le JDR, t'avais un de mes joueurs qui disait qu'il voit le Drachenfels qui fait comme ça. Drachenfels, il fait la boule et il l'agrandit. Du coup, il fait comme ça devant les joueurs. Et en fait, je le fais comme ça, en version réelle. Et mes joueurs, c'est comme s'ils faisaient. Attention. Donc tu imagines la rapidité du bonhomme où il lance les sorts, c'est impossible.
Et à un moment, je me souviens que j'avais un joueur qui était devant la boule. Il voit la boule comme ça, qui une boule mauve, un peu qui ressemble à la boule là que je vais lancer, là, tu vois. La boule là, hop, je vais lancer plusieurs en plus. Oh, c'est terrible. Tu vois, avec les éclairs. Mais c'est vraiment. Comment dire? C'est vraiment, vraiment couleur mauve, pourpre. Et elle se déplace tout doucement. Et j'ai un joueur qui se met devant. Et il dit, ouais, je vais mettre une claque, la boule, elle va dégager. Et je me souviens qu'il met une claque, la main traverse. Et au moment où il traverse, là, son bras, il s'était sectionné ici comme un coup de sabre laser, quoi. Il avait perdu son bras. Il était là, waouh. Il dit, les gars, on s'approche pas. Tu vois. Donc, franchement, Drachenfels, c'est une tuerie. Il est génial. C'est mon meilleur scénar, c'est Drachenfels. Mais uniquement pour les joueurs très expérimentés. C'est un TPJ. Hein. Mais si tu réussis à survivre, trésor à la clé, quoi. Mais c'est un TPJ. C'est pour ceux qui veulent du challenge, quoi. Alors, tac, tac. Il y a d'autres dangers que Drachenfels. Il y a pas que ça. Hein. Hop, on saboule. Y'a rien. Jabon Naostei. Bienvenue à toi. Oh, c'est bien, on laisse la boule vivre sa vie, quoi. Alors. Du coup, on va un petit peu visiter partout. Donc là, on a visité, il n'y a plus rien. J'ai le level 3, ça monte assez vite. Oh, tiens. Qu'est-ce qu'on a en objet? Tunique du mage de Crasse. Des siècles durant, les mages de Crasse veillèrent sur le monde, repoussant avec force et bravoure les armées maléfiques des elfes noirs. A l'instar des lions blancs, légendaires de Crasse, ces sorciers sont célèbres pour leur courage et leur férocité sur le champ de bataille. Ouais, c'est tout. Encore une fois, c'est totalement vrai. Ouais, les mecs qui ont fait la traduction, ouais, c'est vraiment des fans de Wara parce que franchement, c'est bien traduit, quoi. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ça fait vraiment plaisir. Alors du coup, là, si je m'équipe la tunique de mage de Crasse, régénération d'énergie, de vie. Alors, quand plutôt mage de Crasse, plutôt des sorciers de contact de mémoire. Putain, la vache, j'aurais dû faire le truc plus gros encore. Aveugle 33 santé, 32 santé. Ouais bah celle que j'ai, c'est mieux. Et ça, c'est de la merde. On s'en bat les couilles pour l'instant. On sait pas à quoi ça sert, comment on vend. On va découvrir tout ça ensemble, messieurs, dames. Putain, se jette dans la gueule du loup, quoi. Ah ouais, ok, les Snotlings, ils forment une grosse bébête. Ok. Ah, c'est bien la boule, après, une fois que t'as fini, tu t'en fous, tu la balances où tu veux. Ah, il y a un coffre. On verra après les objets. Ok, j'ai tout pris. Hop. Donc comme je dis, si vous avez des questions sur le monde de Warhammer, n'hésitez pas à me poser la question. Au bout de 25 ans, je vous rassure. Il y a de quoi faire. Ah. On a un truc de quête. Sortir de ses coups. Retourner auprès de Teclis. Ok, on retourne auprès de Teclis. Donc on est bête et discipliné, on suit. Là où ça clignote. J'ai mis en déroute la vermine des tunnels, grand maître du savoir. J'ai repoussé au plus profond les égouts. La tour ne court plus aucun danger, mais je perçois que l'ennemi se réunit en grand nombre dans les entrailles de la terre. Je n'en doute point, les serviteurs de Norgul pullulent dans les ténèbres et la souillure. Notre bataille contre le culte ne fait que commencer. Vous avez fait face à la situation avec brio, jeune prince. Revenez me voir lorsque vous serez prêt pour votre prochaine besogne.
1000 points d'expérience. Waouh, je suis tout seul, 1000 points d'expérience. Ça équivaut à 4 bouquins de Wara, quoi. 100 pièces d'or, ouais, gentil. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Tunique de mage de Nagarit. Inspirant, je dis, un profond respect à travers les royaumes elfes. Les mages de Nagarit perdus étaient réputés pour leur sauvagerie, leur aptitude au combat à main nue. Je crois que c'est aussi vrai. Ça me dit trop rien, mais c'est vrai. Par contre, j'ai plutôt focalisé sur l'énergie pour l'instant. Alors, donc ça c'est de la merde. Donc tout ça c'est de la merde. Ok. La téléportation c'est pas trop trop utile, hein, franchement. La tour est plus que jamais dans la tourmente. Vos a appris que plusieurs gardes de Magnus avaient disparu. Selon lui, ils ont poursuivi les fatigues dans les égouts pendant l'attaque. Il faut savoir pour enfin que Vos, c'est un très célèbre et dangereux réplicateur à l'époque de Magnus. Vos, il était très très craint, sans pitié. C'était le leader en gros des réplicateurs, quoi. Ils se sont égarés dans les dédales des tunnels, à n'en point douter, imbéciles et aveugles. Quelqu'un doit les retrouver et essayer de les sortir de là. Si les fanatiques ne le sont pas encore piégés, ça ne saurait tarder. Localiser le survivant. Localisons le survivant. Bon, c'est vraiment un truc genre didacticiel pour l'instant, donc ça va. Rien de compliqué. On en profite, c'est joli comme tout, hein, j'aime bien. C'est du Warhammer Cosmel, messieurs, dames. Ça sort le 4 juin. C'est fait par studio français. Ça respecte la charte Games Workshop au taquet. Vous êtes fan de Warhammer Fantasy. C'est un régal pur et dur. Vous aimez Diablo 3. Vous allez vous éclater. Vous en rêvez ou quoi? C'est joli comme tout. Ça pue le boss quand même. Hein. C'est le drapeau des Lannister. Là, qu'est-ce qu'ils font là, bordel de merde, ils sont partout. Après, c'est vraiment même le décor. On sent. Je sais pas pour vous, mais moi je sens personnellement, je sais pas si c'est par expérience, que y a les mecs qui ont fait ce jeu, c'est quand même des fans de Warhammer, jeu de rôle fantasy, quoi. Parce que même les décors qu'on voit là, je sais pas si on voit la souris. Ouais, on voit la souris, regardez les décors, ça c'est du pur Warhammer fantasy, quoi. C'est ça, hein. C'est joli comme tout, hein. C'est vraiment ça, les canons, tout. Allez hop, on voit la bouboule là-haut. On en voit une deuxième bouboule là-haut. Eh, je suis un mage au elf, je n'ai rien à péter. Voilà, je gagne un niveau. Vous avez obtenu une compétence souffle de feu. Waouh, super. Ouais, mais waouh. C'est une bouchée, par contre ça me bouffe un mana, à saloperie. Un beau petit jonglage avec le... Ah oui, j'ai plus de magie. Ah, ah déjà, lui, toi, tu dégages. Hop là. Alors. Ok, ça, on s'en fout. Waouh. Venez contre moi, c'est ça. Such a
Puis tu as c'est joli, c'est beau. J'aime bien, ça m'éclate. On vient de commencer, mes amis. Hein. C'est plusieurs boules, hein. À l'arrache, je m'en bats les couilles. Ah, ben voilà. Comment trouver des ennemis? Tu lances des boules un peu partout, puis tu vois ce que ça fait. Hein, de toute façon. Ça fait des dégâts, c'est cool. Alors, faut que je localise le survivant. Bon, après, ces boules, ça, c'est un carnage, hein. Vous gagnez une compétence passive, vous pouvez la consulter et vous équiper dans le menu des compétences. Concentration. Allons voir ça. Alors, c'est ça. Régénération d'énergie augmentée en étant statique. Ben, si ça te fait plaisir. Si ça te fait plaisir, on en profite. Hein. La caméra l'a changé, tiens. Alors, est-ce que c'est moi qui fais quelque chose ou est-ce que c'est la caméra qui fait que ça? On va tester ça tout de suite. Ah non, c'est automatique. Hein. Je touche à rien, je fais qu'avancer en fait et la caméra change tout seul. Ok. Donc, je descends vers le bas. Hop, ça c'est vite, c'est bien fait. Un peu trop facile quand même, je trouve, hein, le fonctionnement du souffle là, ça fait un petit peu chiter quand même. Hein. Bon, ça me bouffe la mana, mais... Ah, je l'ai chopé de nouveau. My spells need more power. J'ai hâte de voir le boss. Bon, c'est du contact, ça va, c'est pas compliqué. On va plutôt aller vers le haut. Il y a pas mal d'ennemis. De toute façon, la boule, elle fait autant de dégâts que le souffle de feu. Pour l'instant, ça va. C'est bon, en tout cas. Je réitère ce que j'ai dit, hein, franchement, graphiquement, il est très très beau. Quoi. Ok. Ok, 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 c'est parti! Allez, on va descendre en bas. On va suivre la route, hein, tout simplement. Ah là, apparemment qu'il s'était plaint de la caméra, mais des effets de caméra, mais moi je ça me dérange pas. Hein. Pour l'instant c'est beau. Ah t'as trois fragments.
Dommage, il n'y a pas une option pour... Pour que ça soit toujours option en jeu. Ah, c'est dommage. Continuer. Coucou Célestis, comment tu vas? Alors, hop. Hop, hop, hop. Hop. Donc là, on descend en bas. Oh mon Dieu, c'est beau. Ça y est, t'as reçu ton nouveau volant? Attends, mais on est samedi, tu dois le recevoir lundi normalement. Alors, si tu l'as reçu, tu l'as testé, dis-moi. Grêle arcanique. Plus d'éclats magiques qui ont lance chance de retentir ennemis, génère énergie. Pfff, oh, la vache. Ça va jouer sur Ah, oh, bah ça m'a éclaté ça. Ça m'a éclaté. Alors, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais parce que ça fait des dégâts par contre. Je teste, mais il va falloir que ça fasse un vocal car je pige pas tout. Ouais. Bah, demain matin, si tu veux, c'est si je stream vers 7h du matin. Je vais streamer un peu plus tôt demain matin parce que Darkness il partira vers 9h30. Et j'ai vraiment envie de. Comme j'ai pas trop streamé cette semaine, j'ai passé vraiment une semaine de merde. J'ai vraiment envie de beaucoup streamer le matin. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc, si tu veux, on discutera demain matin ou ce soir, si tu veux. Si t'es pas couché, y a pas de soucis, quoi. À toi de voir. Ah! Eh ben, tant pis, une prochaine fois alors. Mais sinon, essaie voir d'écrire ton problème dans le chat et puis j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Hop, hop. Yo, Lord Dany TV, comment tu vas? Ça va, toi? Y a pas mal de sorts, hein. Y a de quoi vraiment s'en mêler les pinceaux. Hein. Après, je pense que c'est juste une petite question d'habitude, quoi. C'est ça, venez à moi, venez à moi. Ah, mais casse les couilles, bordel de merde. C'est marrant, je gagne plus d'énergie quand je fais le sort d'éclair. Marrant. Ouais. Bah, déjà, le volant est super dur à tourner. On sent les moteurs bloqués même sur place. Ça, c'est le réglage. C'est le réglage in-game. Et le truc que je pige pas, c'est la marche arrière. Ben en fait, comme tu as le pédalier, avec le volant. Bah tu mets juste en mode automatique simple. Ce que tu fais, tu as deux boutons derrière le volant, des palettes. Bah tout simplement, tu actives le bouton marche avant, un coup pour la marche avant,
Et dès que tu as l'arrêt, tu appuies sur l'autre interrupteur, l'autre palette. Il faut faire les vrais réglages, bien sûr, in-game. Et tu mets mode marche arrière. Ce qui fait qu'après, ton truc il va basculer en mode marche arrière. Tu as juste accéléré pour faire en marche arrière. Et après, tu mets un coup pour qu'il enclenche la marche avant. Et comme un mode automatique, hein, tu passes le D pour le drive. Et ensuite, tu as juste accéléré et puis passe les vitesses automatiquement, tout simplement. C'est tout, hein? Ah oui, non, le clignotant, tu mets. Moi, j'ai mis quand tu tiens le volant à gauche, tu as une manette bidirectionnelle. Enfin, moi, c'est ce que j'ai. Et j'ai. Attends, non. Non, j'ai de la merde, non. Sur le volant, j'ai deux boutons. Un à gauche et un à droite. Et je mets le clignotant droite sur la main droite et le clignotant gauche sur la main gauche. Mais les palettes derrière le volant, laisse-les vraiment pour les vitesses, quoi. Ça va vraiment être utile. Sinon, tu vas t'embrouiller, quoi. T'en vois rien, là, bordel. Casse les couilles, là, les snotlings de merde. Non, ça sent le boss quand même. Hein. Vous sentez comment les amis? Ça sent pas le boss quand même, quand on arrive toujours dans une grande salle comme ça, ça sent pas bon. Hop, hop. Yo Mr Freeze, comment tu vas? Mister Freeze, le glace en friandise. Mister Freeze. Un coffre. Là, comme ça, ça pue le boss. On va essayer de s'équiper. Oh putain. Alors, mage. Dégâts de riposte. On a plus d'armure, plus de santé, plus d'énergie. Nagarite. Oui, je prends ça. Ça, c'est quoi? Plus de santé, plus de machin. Donc on va prendre ça. C'est de la merde. Amulette. Ok. T'as pas beaucoup de... Putain, c'est chaud, hein. Ok. Et le volant vibre tout le temps, mais c'est quand même fun de conduire avec. Ça, c'est le volant, c'est la sensibilité du moteur de mémoire. Ouais, mais en ce moment, c'est un peu chaud, Mr. Freeze, avec mon travail et avec la Formule 1 de Darkness. C'est un peu chaud, mais t'inquiète pas, on en fera toujours, hein. C'est qu'on voit. Oh, oh, oh. Casse les couilles, là. La seule prise, c'est de m'esquiver, quoi. Je rêve. Oh, je vais pas mourir. Un coffre, oh, ça pue le boss, hein.
Je te peux te confirmer que j'ai bien regardé avec Darkness. Hein. Darkness et moi, on est bien à 70 000 km. Ces satanés fanatiques nous ont attirés dans un piège. Nous avons essayé de nous battre, mais ils étaient trop nombreux. Gardez votre souffle, humain. Je suis venu pour vous ramener à la tour. Ils les ont emportés, ceux qui pouvaient encore marcher. On était traînés dans les ténèbres. Oh, ces hurlements, vous ne pouvez plus rien pour moi. Partez au secours des autres. Mon Dieu, ils l'ont tué, je dois me venger. Ça sent pas bon quand même, parce que si Nurgle il laisse un homme en vie, en général, c'est que le gars il est infecté. Hein. Bah oui, je sais, du sud, il paraît qu'on voit les mécaniques. Ouais, c'est exactement ça. C'est un peu comme Diablo 3, seulement que c'est du monde de Warhammer. C'est vraiment, ça respecte bien les trucs de Warhammer. Comme j'ai précisé, moi ça fait 25 ans que je fais du Warhammer. 25 ans et je peux vous assurer que graphiquement, ils respectent bien la charte graphique de Warhammer. En tout cas, je me retrouve pas perdu, je me retrouve pas dans un truc genre t'as juste marqué Warhammer et tu joues, tu fais what the fuck, c'est quoi le jeu quoi. Non non, ça respecte bien la charte de Warhammer, c'est sombre, c'est bien l'univers, c'est tout pile poil. Même les... Dans les prologues, les intros en mode un peu bande dessinée surfait comme ça. En tout cas, même là, on retrouve, par exemple, on a Magnus et Teclis. Pour ce que je n'ai vu, Magnus, c'est vraiment le visage de Magnus, c'est vraiment les traits de Magnus. On voit bien que c'est signé Games Workshop, donc l'éditeur qui a édité et créé le jeu. Et pour Teclis, c'est pareil, le visage de Teclis, la maigreur de Teclis, l'armure de Teclis, c'est vraiment du... Pure Warhammer, c'est bien respecté en tout cas. Ça, il n'y a pas photo. C'est très très bien fait. Là-dessus, c'est bien fait. Et en plus, j'ai appris que ce jeu était fait par des Français. Donc en plus, voilà. Mais en plus, de toute façon, les Français, ils l'ont dit. On leur a dit, mais attendez, ça ressemble à du Diablo 3. Et les gars, ils l'ont dit, oui. C'est vrai, on a pris comme base Diablo 3. Donc les mecs, ils s'en vont. C'est pas. Ils disent, non, 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 c'est pas du Diablo 3. Non, non, ils disent, non, non. On l'avoue, on est fan de Diablo 3, on est fan de Warhammer, on a fait un mix des deux. Donc les mecs, ils sont pas cachés, quoi. Ils sont bien conscients que ça ressemble. Parlez à Teclis. Voilà. Donc là, je vais. Ok, ça marche, Mr. Freeze, bonne route à toi. En tout cas, merci d'être passé, tu repasses quand tu veux, n'hésite pas. Mes amis, pour information, GTA RP, ça sera lundi. J'ai eu l'information comme quoi le serveur allait ouvrir lundi. Donc, pour vous, l'information, lundi soir, ça sera du GTA... À partir de lundi soir, pardon, ça sera du GTA RP. Alors... J'ai retrouvé les soldats égarés, grand maître du savoir, mais c'était trop tard. Ils sont tombés dans une embuscade et la plupart d'entre eux n'ont pas échappé. Quant aux autres, les fanatiques les ont emmenés. Oh, même souvent dire, allez, pour chasser-les. Les hommes étaient vivants lorsqu'ils ont été emmenés. C'est ce qui m'a été dit. Quel sort le culte réservait-il aux prisonniers? Pas de prisonniers. Des sacrifices, des offrandes au Seigneur de la Pestilence en échange d'une puissance incommensurable. Nous devons tout mettre en œuvre pour empêcher ce sacrilège. Allez vous préparer et retenez-vous voir des gosses réprimés. Ouais! Level up! Level up! 150 couronnes d'or! Oh, que mon Seigneur est généreux, dites donc! Alors Cerberus m'a fait la remarque tout à l'heure en disant « Ouais putain, on en gagne pas mal des pièces d'or. » Alors pour donner une comparaison, parce que beaucoup de gens disent « Putain, mais comment qualifier les pièces d'or dans le monde de Warhammer avec le monde actuel ?» Eh bien c'est simple. En fait dans le monde de Warhammer, je fais un petit cours, il y a plusieurs types de couronnes. On appelle ça des couronnes, pas les pièces d'or, on appelle ça des couronnes.
y a des couronnes d'étain, des couronnes de cuivre, des couronnes d'argent, des couronnes d'or, etc. Enfin, couronne d'or étant le plus haut de mémoire. Là, bien sûr, ça parle qu'en couronne d'or, hein, forcément, pour que ce soit plus simple. Même moi, dans le monde de Wara, en tant que MJ, je le fais, c'est beaucoup plus simple. Mais grosso merdo, il faut estimer qu'un humain, je dis bien standard, humain standard, gagne 4 pièces d'or par an. Voilà, ça calme. 4 pièces d'or par an. Guide des collectionneurs déverrouillés, je sais pas ce que c'est. Je connais pas le jeu, mes amis. Hein. Il sort le 4 juin, c'est pure découverte. Hein. Alors. Donc ça, on met. Ça, on met pas. Ah bah du coup, ça, on met. S'équiper qu'en bleu, hein, tant qu'à faire, on va pas se faire chier. Hein. Alors. Alors, peut-être qu'on peut vendre ici. Oh, bug. Ouais, t'es gentil. Alors, donation, échange, chasse à la relique. Donation. La guide des collectionneurs est une guide qui accumule tri, classe, amasse toutes sortes d'objets, du plus rare au plus anodin. Vous pouvez donner à la guilde tous les objets dont vous n'avez plus l'utilité, ce qui augmentera progressivement votre réputation auprès d'elle. La guilde ne vend pas d'objets, mais vous offre une récompense unique à chaque fois que vous complétez un palier de réputation. Ah, bien. Donner des objets à la guilde des collectionneurs augmente votre réputation, vous offre des récompenses à chaque palier. Moi, je m'en bats les couilles, je leur donne tout, hein. Valider l'échange. Oh, c'est tout. Poids porté, 8 sur 80. Oh putain les enculés, ils ont joué sur le poids aussi. Ah, c'est des malins. Ça, c'est intéressant. Comment t'as eu la clé? Tout simplement parce que sur Ascent Gaming, ils avaient déjà fait une offre pour le jeu en précommande qui est à 29€. Et sur comment ça s'appelle ? Et sur Steam, il est à 50€. Donc du coup, je l'avais déjà acheté il y a presque un mois et demi en précommande. Et aujourd'hui, j'ai reçu une note sur ma boîte mail de Instant Gaming en disant, ben voilà, le jeu vient de sortir. Il sort le 4 juin. Et comme promis, comme vous l'avez acheté en précommande, ben, vous pouvez jouer un peu plus tôt. Donc ben voilà, vous l'avez acheté, donc on vous donne la clé. Donc du coup, j'ai eu la clé. Alors, ah, salle du trône. C'est des bruitages, c'est bien fait. Hein. Waouh. Waouh. Petite anecdote, ça c'est des images, en fait de Warhammer, Warhammer papier. La tour qu'on voit là, c'est la tour, je suppose que c'est Middenheim. La capitale religieuse du vieux monde, dans le monde de Warhammer. Ouais, ouais, ça c'est Middenheim, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est Middenheim, c'est la tour qui... C'est la ville qui est sur 2 km de haut. Elle est sur... On appelle ça le Ulrichsberg. Ah, on connaît rien au monde de Warhammer. Je sais pas par quoi commencer. En fait, si tu veux, le vieux monde, ce qu'ils appellent le vieux monde, ça pourrait s'apparenter à l'Europe. T'imagines l'Europe, bah t'imagines, ça s'appelle le vieux monde. Et dans le vieux monde, qui. Enfin, c'est le vieux monde, voilà. En gros, c'est l'Europe. Hein. C'est l'Espagne, l'Italie, la France et. L'Allemagne. Grosso merdo, c'est ça, avec la Suisse. Voilà, ça s'appelle le vieux monde. Et dans le vieux monde, tu as. L'Italie est représentée par la Tilé. Qui ont dit les Tiléens, c'est les Italiens. T'as l'Estalie, c'est l'Espagne. La Bretonie, c'est un peu genre la France. Et l'Empire, c'est un peu l'Allemagne. Et la Suisse,
C'est un peu le royaume des Halflings, comme le Seigneur des Anneaux, les Hobbits. Ouais, c'est pareil. Et donc, dans le vieux monde, enfin, dans l'Empire, tu as deux capitales. Tu as la capitale impériale, la capitale de l'empereur, qui est normalement Altdorf. Alors là, on joue à l'époque de Magnus le Pieux, donc c'est-à-dire 200 ans avant, donc là, on joue en 2300, le 2305. Et en 2300, c'est Nuln, la capitale où il y a l'artillerie, les grandes forges de Nuln. Là, ils fabriquent tout l'armement de l'Empire. C'est la capitale de l'Empereur. Bon, certes. Et dedans, dans l'Empire, tu as une capitale religieuse, qui est le Notre-Dame de, on va dire, de Warhammer. Et la ville s'appelle Middenheim. Middenheim, qui est une ville qui n'a jamais été prise, et qui prie le dieu Ulrich, qui est le dieu des loups, des batailles et de l'hiver. Et en fait, cette ville capitale, hein, c'est pour ça que j'appelle ça la capitale religieuse, c'est Middenheim, et qu'on voit ici, là. Je sais pas si je peux plus m'approcher. Qu'on voit là sur le dessin. Et en fait, c'est une sorte de montagne qui est aplatie en son sommet. Et la ville est construite dessus. Et en fait, pour rejoindre cette montagne qui mesure 2 km de haut, eh ben, tu as des remparts en béton qu'on voit, en fait, des passerelles qu'on voit ici. Il y en a à peu près, je sais plus, 5, je crois, de mémoire, il y a 5. 5. 5, comment ça s'appelle, passerelles en béton, là, des sortes de ponts, tout simplement. Je vais dire des ponts, qui permettent d'accéder à la ville. Et quand la ville est attaquée, en général, les sorciers en haute défense de la ville détruisent les passages en béton, les ponts en béton, ce qui fait que la ville, elle est imprenable, où il faut l'escalader. Le problème, c'est que c'est une grande falaise qui est comme ça, et c'est chaud. C'est très très chaud. Voilà pour l'information. Ça, c'est Malekith, ce qu'on voit là. Le roi sorcier elfe noir, qui était un ancien haut elfe. Et ça, j'arrive pas à voir ce que c'est. Alors, on dirait des bannières. Ça, c'est plutôt un dessin de l'invasion de Prague. Prague qui se lève, et qui se lève, c'est à peu près en gros la Russie dans le monde de Warhammer. Et c'est à peu près un dessin d'une invasion. Et ça, c'est un prêtre de Sigmar. Sigmar, qui est le dieu protecteur de l'Empire. Waouh, c'est joli! Et là, on a dans notre story, ça c'est l'empereur Magnus. Voilà. Oh! Après, c'est un jeu qui a une histoire qui est très très pas complexe, mais qui est vraiment très très complet, très détaillé, avec la chronologie, ses légendes. Normalement, quand on joue Warhammer Papier, donc tu verras en mois de septembre les lives que je ferai dessus en JDR Papier, on joue en l'époque de 2500, là on joue 200 ans plus tôt, et il faut savoir que de l'an 0 à l'an 2500, il y a 2500 ans de chronologie, quoi. C'est comme si maintenant, je dirais, ben, l'an 0, c'est le Christ, et on t'apprend à l'école, au CM1, au CM2, au collège, au lycée, bah, la chronologie de l'an 0 à 2000 ans, on va dire, grosso merdo. Bah là, dans Warhammer, tu as 2500 ans d'histoire, plus tu as encore tout ce qui s'est passé encore avant. Et ça, en gros, grosso merdo, je connais 80%, même 70% de la chronologie, je la connais, quoi. C'est vraiment très très complexe. Hein. Complexe, complet. En tout cas, c'est ça qui fait la richesse de ce jeu. C'est vraiment que c'est bien. C'est pas que, ouais, il y a le caillou qui attaque, on va tout défoncer. Non, non, il y a quand même une certaine histoire par derrière, quoi. C'est logique.
Teclis, il n'y a pas de temps à perdre. En ce moment même, les fanatiques pourraient se préparer à sacrifier leur prisonnier. Nous devons l'empêcher. Que vous plaira, grand maître du savoir. Vous pouvez compter sur moi. L'ennemi ne reculera devant rien pour vous interdire d'atteindre le prisonnier à temps. Choisissez judicieusement vos batailles, jeune prince, et pressez le pas. Secourir les prisonniers. Ok. Pour l'instant, on fait le jeu mode quête, donc on suit bêtement. On suit bêtement ce qu'il nous dit et demande de faire. C'est juste dommage qu'on peut pas zoomer. J'ai pas trouvé. Ok, quand je m'arrête, on voit les buffs ici. Pouf, qui apparaît. Hop là. Ok. Ok, oh, c'est pas mal. D'accord, ok. Pourquoi pas. Allez, on retourne dans les égouts. On voit qu'on a plusieurs choix. On a soit quête principale, on a le mode invasion, expédition et boss rush. C'est intéressant qu'ils ont mis ça tout de suite. Dans le sens déverrouillé, on n'a pas accès, on fait juste la quête principale. On découvre le jeu tranquillement. Ça, c'est un démon chaotique qu'on voit. Un démon du chaos. Oh là là. Chapitre 1. Des présents pour le dieu des ténèbres. Secourir les prisonniers. Oh merde, j'ai 10 minutes. What the fuck. Voilà, ça rigole déjà moins là. On sent que les ennemis sont beaucoup plus chauds là. Vous m'avez sauvé la vie, un jour peut-être on fera de même pour vous. Allez, 1. Ok. On va passer en mode speed. Wow, lumière aveuglante. Ah ouais, ok. Les ennemis sont à l'ouest. Pourquoi pas. C'est immense. Ouais, les ennemis partout. Venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Voilà. My spells need more power. Ouais, ouais. Ma mana a besoin de plus de puissance. Ok, ok. Hop, hop. Bon, c'est comme du Diablo, mais c'est un peu plus gentil. Pour l'instant, c'est un peu plus gentil. Quoi. Hop, nettoyage. Là, tu te fais attaquer, tu fais un jet de flamme, voilà, hop, ça dégage tout. Hop là. Je me dépêche hein, parce qu'il me reste encore 7 minutes pour trouver 6 personnes.
weak to use my magic. Six minutes. Ah, puis passons là. Ah, ils sont tous dans l'ouest. Lumière aveuglante, c'est top ça. Vous avez combiné les compétences améliorées, une variation puissante de compétences mais plus coûteuse en points. C'est quoi? Ah, c'est la projection. On va tester ça. Oh, bah boss. Even in death, you are beneath me. Life does not deserve such a sacrifice. How dare you? Juste méga mal, quoi. You abomination. My life does not deserve such a sacrifice. My life does not deserve such a sacrifice. Vite, il faut de la vie. Spells need more power. Even in death. Vas-y, mais crache-moi sur la gueule, toi. I won't forget. Je n'oublierai pas, merci. You saved my life. Mais sauvé la vie, merci. You saved my life. Oui. Ah bah c'est chaud, hein. Mais attends, dégagez. Putain, encore un. Oh la vache, je te prie. I should conserve my energy. Il faut que je conserve mon énergie, voilà ce qu'il me dit. T'es marrant, toi. Hop, on récupère le pognon. Allez. Deux minutes. Faut que je me dépêche, j'accélère. La 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 la. I won't forget. Je ne t'oublierai pas, merci. Nettoyage par le vide. Il me reste deux prisonniers, 1 minute 30. Oh putain, mais tu l'as pas peur de mes couilles, quoi. You saved my life.
Vous m'avez sauvé la vie, merci. Il me reste une minute pour aller jusque là-haut. Allez, hop, 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 on se dépêche. Ouais, bah, allez, on s'en bat les couilles. Il y a un peu de monde. Am I too weak to use my magic? You saved my life. Faut que je sorte des égouts. Bon. Maintenant, on peut passer à quelque chose de plus potable. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Wow, ça fait mal ça. Plus 10% de dégâts, 44 de dégâts. Mais t'as, je veux ça aussi. Ça c'est quoi? Ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Nickel. Maintenant on va faire beaucoup plus de dégâts. Ah, maintenant on va rigoler. Ah oui, ça passe bien mieux. Orbe asphérique supérieur. Alors, attendez, faut que je regarde parce que là, je sais pas du tout. C'est là. Ah, c'est énorme, j'ai une orbe supérieure. Alors, sphère magique qui blesse les ennemis qui traversent, laisse traîner de feu dans son sillage. Ok. Donc, c'est pas ça, c'est ça. Alors, peut-être qu'il faut que je sélectionne, peut-être. Ah ouais, c'est ça, ok. Donc là, c'est ça. Ça, du coup, c'est ça. Oh, tous les sorts. Mon Dieu. Compétence de Dieu. Wouah, compétence de fan. Putain, c'est... Alors... Non, c'est pas ça. Bon, ça c'est bon. Par contre, ça, ça ne marche pas. Ah ouais, point disponible. Lumière aveuglante, on s'en fout. Ça, on s'en fout. La grêle, on s'en fout. Ok, j'ai que des points. Ah ouais. Ah, oh, mais c'est génial. Je fais des dégâts de fou. Ah, tu peux pas tout avoir. Ah, oh, c'est génial comme tout. Comme tout, je fais un massacre. On va pas trouver de décor, enfin, c'est des petits bugs, on voit pas, on voit mal, mais bon, le principal c'est que ça fonctionne. Allez, on retourne voir Teclis. Ah, je suis déjà niveau 9, oh putain.
Comme je vous l'avais promis, les captifs ont été libérés. Pas un seul humain n'a été sacrifié. Vous avez fort bien agi. Les chaos ne se montrent guère généreux envers ceux qui ne les satisferont pas. Vos actes de bravoure affaibliront le culte et décupleront nos chances de victoire. C'est le moment où jamais de redoubler nos efforts. Revenez me voir dès que vous serez prêts. J'aurai une autre tâche à vous confier. Soif de sang. Dérouillé. Qu'est-ce que c'est que soif de sang? Waouh. Ah ouais, merde, je crois que c'est une amulette de merde. En fait, non, c'est pas une amulette de merde. Ah ouais, c'est pas un truc de PD en fait, hein, qu'il avait. Ah ouais, je peux le bouger, t'as bien. C'est joli. ...4920 couronnes d'or, expérience niveau 9. Journal. Ok. Sauf de sang, je sais pas ce que c'est. Ok. Je sais pas, on verra. Mystère. La musique, elle est bien. C'est bien sombre. C'est tip top. C'est quoi le petit 2 là? Je sais pas ce que c'est. On verra plus tard. Je connais pas tout. Hein. On va aller voir lui. On va faire une donation. Donc je sais pas, j'ai plein de pépettes, donc de toute façon je m'en fous. Chevalier de l'échange. Ok. Faire de la place. Alors, depuis l'attaque, nous sommes sur la défensive. Nous réagissons aux exactions de l'ennemi. Cela doit cesser. Si nous voulons mettre un terme au règne de la terreur du culte de Nul, nous devons partir à la recherche de la source de sa puissance et la détruire. Bien sûr, grand maître. Mais comment la trouver? Le culte doit avoir établi des camps aux quatre coins des égouts. Trouvez-en un et capturez son chef. Il éclairera notre lanterne à n'en plus douter. Trouvez le camp du Tao. Ils sont gentils. C'est Eclis. Hein. Pas de sacrifier, de toute façon. Si une fois que tu meurs, je prends ta relève. Je sais pas c'est quoi l'arbre là. Ça me parle pas. Je te laisse, je vais me coucher demain un peu de taf en vue. Ah ouais, tu taffes demain. Bah, bonne nuit à toi, Célestis. Merci d'être passé en tout cas. Trouver le camp du chaos. À 4, tu dois t'éclater. Hein. Les ennemis sont déjà beaucoup plus puissants. Hein. Ah, c'est ça, soif de sang. Je sais pas quoi ça sert, mais en tout cas, les trucs rouges que je chope un peu partout, ça m'augmente au-dessus de mon truc de niveau 9. Je sais pas si vous voyez. Juste là. 44%, vous voyez. Je sais pas ce que c'est du tout. Je sais pas, on va voir. Ce sera la surprise.
Ah, grosse bête. Ah, ça stun. Le personnage était vaincu, vous avez plusieurs options pour qu'on retourne au combat. Cependant, si vous quittez un niveau, vous devez recommencer depuis le début. Payer pour revivre. Revivre à quel prix? Seuls les fragments basiques sont utilisés pour payer. Couronne d'or. Cool. Alors. Ah, c'est ça. Tac. Tac. Combo. Ouais, franchement, c'est un Diablo 3, Maguire. Je vais donner mon avis. C'est un Diablo 3 version Warhammer. On joue en 2300, à l'époque de Magnus le Pieux. Le scénario est très bien fait, il respecte très bien l'histoire de Warhammer. La charte graphique est très bien faite. C'est vraiment le personnage qu'on a vu de Teclis. Il parle même de Voss qui est un très célèbre répurgateur dangereux, très redouté dans le monde de Warhammer, à l'époque de Magnus, on le voit, il lui ressemble bien, Teclis on le voit bien, le trait de visage, fin, maigrichon, vraiment tip top, c'est vraiment du Games Workshop, il est bien, franchement tu t'éclates bien. Là je suis qu'au début, hein. Je suis au chapitre 1 seulement. Les sorts magiques sont bien respectés, c'est bien... J'ai rien à dire, il est visuellement il est beau. Il pourrait être plus beau, mais c'est vraiment. C'est du pur Warhammer, hein, de toute façon. On dirait du Vermintide, franchement, c'est bien. Après, il sera pas aussi beau que du Vermintide, mais ça, je pense que c'est la volonté des développeurs, de toute façon. Quoi. Hop. Ouais, mais il est bien fait, il est bien, vraiment bien fait. Alors, vous pouvez déchaîner la soif de sang de votre personnage d'impion sur le petit 2, lorsque sa jauge de soif de sang est pleine. Récupérez les orbes rouges qui apparaissent à la mort de vos ennemis pour vous soigner et remplir votre jauge de soif de sang. Vous pouvez maintenant déchaîner la soif de sang du personnage d'impion. Alors. Oh, c'est quoi ça? Trancheuse athérique. Waouh, le carnage. Ah ouais, c'est un genre un bulldoze quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait en hauteur celui-là? Il a bugué ou quoi? Alors. Hop. Ah ouais, mais les trucs ils ont continué vachement loin en fait. Et hop, ça dégage. Il y a un ennemi en bas que j'ai tué. Je vais même pas récupérer son pognon. Oh, une grosse bébête. Non, non. Putain. Non ? Dégage. Qu'est-ce qu'il me faut ? Non. Tu vas claquer, c'est le prix. Ah.
J'ai failli crever une deuxième fois. Non, merci. Bon, la stuntling là, ça suffit, bordel de merde. Bon, après le scénario, Maguire, il respecte bien, il n'y a pas de souci. Hein. Le scénario, franchement, c'est vraiment le truc de Magnus. Hein. Enfin, moi, côté MJ. Hop, hop, hop. Bon, du coup, t'as 4 classes de personnages. T'as le haut elfe, t'as un humain, t'as un elfe sylvain, archer, préférence, et tu as la nature. Après, le jeu est très intuitif, très facile d'utilisation. Rien de vraiment très compliqué comparé à ce qu'on a pu déjà voir auparavant par d'autres jeux. Wouhou, petit bouboule. Allez. My magic. Non! Putain, j'ai fait niquer la gueule encore une fois. Allumez le feu. Bouclier. Ah, c'est nouveau sort. Alors, cassez les couilles, les bébêtes là. Allez hop, dégagez. Laissez-moi tranquille, les gars. Alors. Ouais. Ça c'est quoi? Plus de dégâts, plus de riposte. Ouais, on va prendre ça. Ça on s'en bat les couilles. Ça on s'en bat les couilles. Les bottes. Ouais. Ça. Ouais. Safari. Énergie maximum, non, dégâts de poste, 9. C'est encore plus puissant. Crasse, on s'en fout. Ça, on s'en fout. C'est de la merde. Geste comme ça, c'est bon. Voilà. C'est fou, ça, qu'il n'y ait aucun nain. C'est un. Qu'il y ait au nain, c'est un tueur. Ouais, bah écoute. Hein. Ils ont fait un tueur et juste la classe de personnage quoi. Il sort le 4 juin, mais il vaut 50€ sur Steam, mais sur Instant Gaming avec mon lien en bas de la page, tu l'as à 29€ en précommande. Et c'est apparemment un studio français, ce que j'ai appris, qui a fait le jeu. Et franchement, ça a de la gueule. Ça a de la gueule, ça fait du bien. Wow! Oh! Oh, c'est le prix. Putain, je crache en venant sur ta gueule.
Il a fait mal, hein, celui-là. Ils sont costauds, les saloperies, là. Oh oh. Chef de Hunger, je sens de la chair elfique. Massacre à l'infidèle. Oh merde! Ça, ce n'était point prévu. Il y a un truc qui est en train de me ralentir. Je crois que c'est lui. On se casse, explose, saloperie. Nurgoth te putréfie, elfe, que le seigneur de la puissance transforme tes tripes en bouillies. Ton dieu putride pourra nullement sauver un bête. À présent, cesse ta scracophonie si je pourrais le sens véritable de la douleur. Sorcier les égouts. Ouais, cool. Alors. Oh. 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 Le bâton du mage de Nagari. Oh, je prends. Je need. Non, je l'ai installé en 20 minutes, 6 gigas. Quand je l'ai installé, je dis ah, ils m'ont fait une blague en fait, c'est pas possible. Bah si, 6 gigas, 20 minutes, même pas. C'était rapide. Waouh, c'est joli, c'est vraiment du truc de la pestilence. Hein. Alors, par là on peut sortir, je vais pas sortir tout de suite, je vais continuer à fouiller. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est que sur les objets, il y a des choses qui sont notées. C'est pas là. Par exemple, là, la tunique de mage de Nagarit, il marque inspirant jadis un profond respect à travers les royaumes elfes. Les mages de Nagarit, perdus, étaient réputés pour leur sauvagerie et leur aptitude au combat à main nue. C'est des choses qui sont notées à la base dans le livre. Bon, là, c'est du haut elfe, mais c'est noté dans le livre de bataille des hauts elfes, ces genres de trucs. Ça met plus de profondeur dans le jeu. Par exemple, là, Calédor, les royaumes montagneux de Calédor est l'internatal des puissants dragons d'Ultuan. Les mages des grands princes dragons symbolisent à la force incommensurable, la splendeur inouïe des créatures formidables. C'est des trucs de bras. C'est bien. C'est respecté, ça fait zizir, quoi. Ah, j'ai pas été là, juste à la droite. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Oh, le gros coffre. Waouh. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Non, ça, je m'en fous. Du coup, moi, je veux du jaune. Donc, 6 gigas. 6 gigas, il est pas lourd. Pas lourd du tout, hein, franchement. C'est tout weak. Du coup, les sorts, on peut les améliorer et tout. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce mode de fonctionnement. On peut améliorer les sorts. Moi, je trouve ça cool. Après, j'ai juste testé le Welf. Hein. Le Nature doit être pas mal aussi à jouer. D'avoir de bons délires. Vu qu'on peut jouer à 4 en multi, bah, génial. Ça doit être vraiment de la boucherie, quoi.
J'ai presque tout visité, juste là en bas, j'ai pas trop visité. La preuve que j'ai rien visité là. Putain, les ennemis ils se barrent, putain. Regarde l'état, les faux culs que c'est. Les ennemis se barrent quand ils sont en feu, quoi. Mort de rire. Non, j'ai dû visiter. Ah, ça va être sympa. Oh, Atalio. En tout cas, pour l'instant, ce que j'en ai vu, de par mon expérience à Wara, mis à part que c'est un W-like, de toute façon, comme j'ai dit en début de ce live, les développeurs du jeu qui sont des Français, voilà, ne s'en sont pas cachés, ils ont dit, on est fan de Warhammer, on est fan de jeux de rôle, on adore Diablo, donc on a fait un mix, ils se sont présentés ça à Games Workshop, Games Workshop a posé son feu vert, allez hop, c'est parti. Mais ce sont des Français qui ont fait le jeu. Hein. C'est Big Ben. Voilà, petit clin d'œil. C'est Big Ben. Et tout est bien respecté, l'histoire, tout ça. Voilà, c'est un Diablo-like version Sosuara. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, quoi. C'est du hack'n slash, de toute façon. Et on joue en 2300, vous qui êtes fan de Warhammer, en 2301, pour être exact. À l'époque de Magnus le Pieux. Et l'on dire, je vous ai apporté un prisonnier, grand maître du savoir, un Ungor capturé dans l'un des camps établis au profond des égouts. On est à Nuln. Teclis, laissez-le moi. D'une manière ou d'une autre, il me révélera ce que je veux savoir. Revenez me voir lorsque vous serez prêt, nous y verrons alors plus clair. Ouais, 4000 points d'XP, 200 couronnes d'or. Vos personnages sont désormais accès à leur coffre personnel. Ah. Vous pouvez accéder à votre coffre personnel depuis le dortoir afin de stocker des objets. Ok. Où se trouve le dortoir? Je pense que c'est un peu une phase en fait du début du jeu où tu es obligé de passer pour trouver comment ça fonctionne, etc. Parce que là, j'ai pas tout débloqué. Ah, c'est ça! Ceci est votre coffre personnel, vous pouvez y stocker des objets qui sont ainsi partagés entre vos différents personnages. Ah, bien, tu peux switch des objets. Ça, c'est intéressant. Pardon, désolé. Bon, ils ont mis le poids et tout, même poids porté. Ça, c'est bien. Franchement, ça, c'est bien. Ah, ouais, on peut faire les 4 personnages. Le nain, on voit ici le nain. Ça, c'est l'humain. Là, c'est le haut elfe. Et là, c'est l'elfe sylvain. Oh, merde. D'ailleurs, si je vais vous montrer... si on peut, ce qu'on peut... Normalement, je peux sauvegarder directement ce auto-save. Gérer les joueurs, joueur 1. Jouer en ligne, quitter. Ouais, c'est pas grave, on fout. Encore une fois, je vois qu'ils oublient le perso le plus important de Warhammer. Alors, regardez, si je fais changer de héros, voilà ce qu'on a. Et oui, l'Alphelink, il est où? Voilà, c'est comme ça, soldat de l'Empire. Avec les petites animations à chaque fois. Mon préféré, c'est Mina, forcément. La véritable rempart contre le chaos. Volen utilise son bouclier, ses stratégies militaires pour retourner la puissance de ses ennemis contre eux. Plus il est submergé par ses assaillants, plus il redouble d'efficacité pour décimer les hordes de ces créatures abjectes à coups de ripostes redoutables. Vétéran des puissantes armées de l'Empire, Conrad Volen n'a connu que la guerre, cynique et sarcastique. Il est inégalable au combat. Ensuite, le mage. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut laisser comme ça l'écran. Il ne se passe rien. Mais dès qu'il faut cliquer sur sélectionner, hop, le truc il s'active. Genre, oh, je te parle. Regardez. Hop, je te parle. Et là, le perso il s'avance et puis il agit. J'aime bien. La magie elfique est connue
comme l'une des armes les plus dangereuses dans les mains expertes, et celle d'Elantir le manie avec une dextérité des plus rares. Habile pour déverser des flots de magie pure sur ses ennemis, il est capable de combiner ses puissants sortilèges afin de contrôler ses adversaires, pour ensuite dévaster leur rang avec aisance. Exilé du Tuan, le prince haut elfe Elantir parcourt le vieux monde en quête de rédemption. Fier et arrogant, il est passé maître dans les arts magiques. Le tueur, je le ferai à la fin. L'éclaireuse elfe Sylvain. Je la trouve trop belle. Allez, sectionne. Serpentant entre ses ennemis en répandant la mort dans leur rang avec grâce et férocité, Elessa est une impitoyable archère qui préfère la ruse à la brutalité. Ses connaissances de la nature lui permettent d'appeler de puissants alliés et poser des pièges mortels pour contrôler ses adversaires, tandis qu'elle les achève de loin avec des flèches et des poisons foudroyants. Elessa est une jeune elfe sylvain originaire d'Athel-Lorraine. Sa soif d'aventure l'a conduite à sillonner le vieux monde. Fougueuse et téméraire, elle traque ses ennemis dans leur ombre, tel un esprit vengeur. Oh, sans blague, un elfe arrogant. Ouais, ça change pas d'habitude. Et enfin, le tueur nain. Regardez ça. Ah, oh, c'est beau. Et regardez, quand je sélectionne, regardez ce qui se passe. Ah, j'adore. C'est... Les tueurs nains sont des combattants redoutables, cherchant toujours des duels de plus en plus difficiles et des adversaires de plus en plus dangereux. Bragi est l'un d'eux, et sûrement des plus coriaces. Plus l'affrontement prend de la longueur, plus sa rage de vaincre devient terrible, renforçant ses coups à mesure qu'il blesse ses ennemis et subit leurs attaques. Un tueur nain vit et meurt pour la gloire et la rédemption. Honorable et féroce, Bragi, Axebiter, ou Axebiter, je sais pas comment on dit, ne cesse de mettre son courage à l'épreuve en combattant les plus dangereux ennemis qu'il peut rencontrer. Ah, il a toujours leur crête. Bon, après, je trouve qu'il... Visuellement, il est pas... Tu vois, ils auraient pu... J'aurais pu mieux le faire, mais... Moi, je trouve qu'il est déjà bien comme il est, quoi. Franchement, je trouve qu'il... Il a de la gueule. Il a de la gueule, hein. Voilà, donc c'est les 4 persos que... Qu'on peut jouer dans le jeu. Je suis moins normal... On peut faire trouver une partie. Moi j'ai joué. Non, c'est bien, franchement c'est bien. De toute façon, je vais pas. Sans parler de leur barbe hyper imposante, le 1m30 max, mais réellement il faut 1m80 en comptant les cheveux. C'est ça? Je suis le plus grand! Avec mes cheveux tout droit! Avec ma crête. C'est beaucoup les repères dans les champs de maïs. C'est un requin. Je vous le fais à vitesse réelle, le nain en train de marcher dans le champ de maïs. Sinon, ça ferait. Teclis, la chance nous sourit. Je n'ai eu guère de difficulté à persuader Langer de trahir ses alliés humains. La créature m'a dit que le chef du culte est un homme du nom de Friedrich Kessler. Elle m'a même proposé de nous guider jusqu'au sanctuaire du culte au plus profond des égouts. Pouvons-nous lui accorder la moindre confiance? Il ne s'agit pas d'une question de confiance. Les adeptes de Nikéo ont tous un point commun, un sens exacerbé de l'autoconservation. Pour se protéger, ils trahiront sans vergogne. Face à un trépas certain, le monstre n'a pas hésité à dénoncer ses anciens alliés. Je vois. Et ne nous tournera-t-il pas le dos de la même façon dès que l'occasion se présentera? Pour le moment, le gore vous craint plus qu'il ne craint le culte. Je vous suggère de veiller à ce qu'elle ne change pas. S'aventurer dans le profond les égouts. Certes. Alors. On va aller donner des objets à la guide des collectionneurs. J'ai toujours pas accès à la chasse aux reliques ni à l'échange. Donation. En fait, là, je vais donner des objets à la guide des collectionneurs. Et quand j'atteins le palier suivant, apparemment, j'ai pas très bien suivi. Ils disent qu'il y a un objet que je peux améliorer. Pourquoi pas? Récompense de réputation. Sans couronne d'or. Ah ouais. Ah, un tome du savoir. Je sais pas ce que c'est. Merci pour vos efforts. Voici une petite récompense. C'est quoi la récompense, chef? Alors...
Je sais pas quoi c'est, le tome du savoir. C'est tous les sorts magiques. Ah, compétence de guilde, tome du savoir. Tous les gains d'expérience sont augmentés, plus 10%. Ah ouais, bien. Tous les gains d'or, la vie est augmentée. La vitesse du déplacement. Le champion ennemi inflige moins de dégâts et en subisse plus. Putain. Porte-bonheur. Oh putain, c'est bien ça. Ah, d'où l'intérêt de bien développer le truc, quoi. La récompense d'Olfion, je pense pas. Je tente que chacun choisisse un perso. Ah, parce que moi, de toute façon, c'est Wolf. J'adore les Wolf. Ah, c'est ça, bouclier de Quesh. Dépenser l'énergie, soigne les joueurs. Ah, c'est passif, ça. Dépenser de l'énergie, soigne les joueurs. What the fuck? Putain, bien. Bien. Tu as à chaque fois trois sorts. On a à chaque fois trois sorts disponibles. Non, c'est bien, quoi. Ouais, je vais pas avoir tous les sorts. Je vais essayer un peu la surprise. Sinon, il n'y a plus de secret. Alors, tout se joue à la souris, mes amis. Tout se joue à la souris. Un peu comme Vermintide, quoi. Ouais, on va dire ça. Par contre, c'est dommage qu'il n'ait pas mis plus de perso. Oui, c'est vrai que ça pose un problème par rapport à ça. Ils ont que 4 persos. Un peu à la Vermintide, je dirais. Ils se focalisent tout sourd sur les 4 mêmes, alors qu'il y a tellement de persos différents possibles, inimaginables. Ils peuvent très bien faire les elfes sylvains, ils peuvent faire plusieurs sortes. Les elfes peuvent faire plusieurs sortes, pareil. Les humains, alors je t'en parle même pas. Ils ont pu mettre moins un hobbit. Mais toi, Diablo, il n'y en avait que 5. Ouais, il y en avait. Mais il y en a plus maintenant. Après, je suspecte qu'ils vont peut-être mettre d'autres trucs. D'autres persos avec des DLC, etc. Des add-ons. On verra. Surprise. Pas de druides, c'est trop peu nombreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Rejetons du chaos. Aux armes, rejetons de Nurgle. Massacrer la fidèle pour la gloire du roi de la peste. Oh putain. Il va crever lui, il va se faire bouffer. Survivre à l'embrouscade. Wow. Ah la saloperie. Wow, ça fait mal. Ma vie. Je vais mourir. C'est le prix. Ah, tu m'auras pas. Non, dégage. Oh putain. Il me faut ça. Il m'empoisonne, la saloperie, là. Voilà, c'est bien, c'est tout bidon. Hein. Ah, je vais lui faire sa fête. Putain, on joue au bowling, quoi. Ah non. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Waouh. Je le mets tout de suite. Ouh, j'ai eu chaud. Mais c'est vrai que sur Warhol, on a toujours les mêmes archétypes. Bah ouais, c'est le problème. Après, nous, on est habitués à faire du JDR papier, les amis. C'est pour ça aussi. Hein. Mais les gens qui connaissent pas, 4 archétypes, ça leur suffit. Hein. Coffre là, oh ouais, le gros méga coffre. Ah ouais, des bottes. Je veux des bottes.
C'est dommage quand même. Bah, on peut pas tout avoir. Nous, on connaît le jeu, on est expérimenté au niveau du jeu, donc c'est pour ça qu'on voudrait changer les archétypes. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est déjà pas mal, quoi. Hop, 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 hop. Nettoyage. Allez, les petits snotlings quand vous voulez. Il y en a du monde là, putain. Ça commence déjà à devenir intéressant. Hein. Et ça suffit, oui. Bordel de merde. Je vais me fâcher, hein. Ah, la loose, le truc qui a disparu. Moi, j'ai déjà vu que si on meurt, on peut utiliser les pièces d'or pour. Enfin, les pièces d'or, les couronnes d'or pour respawn. Ça va coûter 500 couronnes d'or pour respawn. Pourquoi pas? C'est le grand nettoyage. Quand je vois Rack qu'il y a dans le JDR. Quand je vois des sous, j'achète une boîte. Je gagne au million. J'achète une boîte et je fais un jeu sur mes idées. Un jeu qui déboîte tout. Malheureusement, on n'aura jamais ce genre de jeu, peut-être dans nos rêves les plus fous. On n'aura jamais ce genre de jeu. Je pense pas. On a trop de connaissances pour ce jeu, pour. Sur Wara, pour qu'ils en fassent un JDR avec autant de connaissances. Et ça y vient tout doucement, ça y vient. Tout doucement, tout doucement. Mais il faut laisser le temps, hein. Ah bah JDR, oui, c'est clair. Il n'y a même pas photo. Mais tu sais comment j'ai pensé à faire quand même un JDR en 2300 à l'époque de Magnus le Pieux. J'ai pensé, hein. Bah, tu vois, ils m'ont devancé. Parce que l'histoire, elle est bien. C'est la vraie histoire de Magnus le Pieux en plus. C'était un grand empereur, hein, Magnus, hein. Marche entre les mondes supérieurs. Moi, je m'en fous, j'utilise pas. C'est la téléportation. Alors, on va faire un nettoyage là à droite. Je sais pas s'il faut vraiment tout faire, mais bon, moi, je le fais tout comme ça, tout est fouillé. J'ai pas de soucis, bah tiens. Un peu comme à début, il y a toujours une créature qui vient, genre en éclaireur, quoi. J'aime bien, quoi. Yoshi Lifert, comment tu vas? Tu peux être un simple soldat qui devient un archimage. Tout ça que je dirais, c'est... Ouais. Oui, tu peux faire un soldat qui devient un archimage, mais bon, il faut beaucoup d'années d'expérience, quoi. Pour moi, les meilleures années sont en 2504, là où le monde va connaître le déclin des EPJ. 2502. Mais après, les EPJ ne sont qu'une goutte d'eau dans le monde de Wara. Là, j'ai des succès qui apparaissent, fléau du démon, etc. Que vous ne voyez pas. C'est clair, là, les PJ, il faut tirer sur le bordel. Ah ouais, mais complètement. Complètement. De toute façon, les PJ, pour moi, ils sont complètement... Il fait mal. Ils sont complètement pas sous l'égide du chaos, quoi. Ils sont, pour moi, c'est toujours été... je crois que dans le canvas, ils disent le grain de sel dans le rouage chaotique des plans machiavéliques du chaos, quoi.
Alors, salut, ça va bien? Et toi, mon père a eu son Audi Q2 hier. J'ai un malus pendant 3 ans car mon tonton a fait un coup de pute il y a une semaine car j'ai touché sa carrosserie, donc c'est parti en steak. Ah merde! Pas cool, ça, je l'ai faite. J'espère que ça va aller. Tu as le malheur de t'emmener 1 heure et là, tu te rends compte que ton groupe a fait tout travers. Ouais, bah, c'est un jeu de groupe, hein, de toute façon. Hein. Mais comme je l'ai dit, je vais le redire au début de ce live. Il y a deux différences. En fait, dans le monde de Warhammer, entre 2300 et 2500, donc 2500, l'époque de Karl Franz Ier, l'empereur, et 2300, soit 200 ans plus tôt, à l'époque de Magnus le Pieux, l'empereur, il y a deux choses de différence. Malgré que les deux empereurs sont vraiment. Bah, c'est les empereurs, il n'y a pas photo. À l'époque de Magnus le Pieux, le chaos a envahi le monde. Magnus réussit à réunifier les humains et repousse le chaos du mieux qu'il peut, mais c'est comme dans le jeu. Voilà. Faut purifier, faut tout défoncer, c'est du hack and slash. Mode Warhammer, j'ai dit papier, c'est du hack and slash. Et à l'époque de Karl Franz, premier du nom, la différence, c'est que le chaos, ils ne font plus d'invasion directe, ils font de la fourberie, ils utilisent la perfidie au niveau des humains pour casser tout le système économique, politique, pour que tout s'effronte sur eux-mêmes, quoi. C'est ça la différence. Et dans le monde de Warhammer, il est plus simple de jouer dans ce monde-là qui est plus. Dans le, tu vois, plus enquête, énigme, avec un soupçon de chaos, plutôt que dans un jeu comme ça où tu dis, bah voilà, je tape, tu lances les dés, tu tapes. Ouais, il n'y a pas ou très très peu d'interaction, quoi, c'est pas trop intéressant. Faut mieux un truc où on puisse parler, quoi. Faut des scènes d'action roleplay, hein. C'est bien mieux. Mais les deux sont faisables, c'est juste que dans le monde de Magnus le Pieux, t'auras plus d'action. Donc tu risques plus vite de mourir par le fil de l'épée que dans 2500. Tout simplement. Parce que ce qui s'est passé en 2300, les chaos étaient très affaiblis, hein, dans le monde dans le vieux monde. Ça, peu de gens ne se rendent compte, hein. Mais le chaos était très très affaibli, hein. Quand on trouve des ordres du chaos, etc., c'est en partie génitale, j'allais dire, en partie générale, c'est des restes de l'époque de Magnus le Pieux qui sont encore là, quoi. Les trucs, ils se baladent, ils font deux trois trucs, ils se planquent, voilà. Le problème, c'est qu'on avait des images d'attaque, un peu de soutien pour aider l'équipe. Bah, ça dépend. Le problème, c'est que dans le groupe qu'on avait, on avait un tueur nain, c'est un truc d'attaque. On avait Talio qui jouait un elfe, on va dire soutien. Je sais pas, trop d'attaque, plus de soutien. Et on avait deux mages. On avait un mage de magie de bataille, lui c'était d'attaque. Et à côté de ça, on avait un autre magicien qui était plutôt soutien et qui s'est joué à attaque. Donc le problème, c'est que ben, c'était un groupe axé très très attaque. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Qui était axé très attaque. Et comment tu veux faire? Il faut du soutien. Il faut pas. C'est genre, ouais, moi taper, moi j'ai tué en premier. Non, il faut roleplay. Roleplay. Le nain, vas-y. Soutien par les mages et par les archers. Tu vois? Après, c'est pas que du blabla. Les mecs en face, c'est peut-être des PNJ, mais ça parle. Et il y a d'autres façons que la hache. Hein. S'il y a un politicien dans le groupe, un commercial, il peut très bien marchander avec les gars. Hein. Négocier, tout ça. Bon, t'as toujours des scènes où tu pourras pas négocier, où c'est genre un peu un jargon scripté. Genre, voilà, t'es obligé de les défoncer, quoi, tu vois? Quand les mecs ils arrivent avec les gourdins, la bourse, la vie. Bon bah tu sais que allez, allez on va les défoncer les gars, c'est parti quoi. Avec eux tu peux pas négocier, mais d'autres, ah tu peux négocier, tu peux parler, faire des CNRP.
On refait le tour de la... On refait le coup de la tour, Zangdar. Quel coup de la tour? Quel coup de la tour? Moi, je vais bien faire le scénar, le dernier envol des phénix, en mode refait par Zangdar. Moi, je le refais, pas de soucis. Hein. C'est un super beau scénar. Hein. Tu vois une ombre qui avance vers toi. Le mage ouvre une porte. Alias le mage de feu. Tu dis, tu vois une ombre qui avance vers toi. Réaction du mage, boule de feu. Ouais, malheureusement, ouais. Mais c'est pas normalement au mage de faire ça. C'est même pas au mage d'ouvrir la porte. C'est pas leur but. Après, bon, c'est voilà, ce roleplay. Hein. Il ouvre la porte, il ouvre la porte. Hein. Mais à la base, stratégiquement parlant, c'est pas au magicien d'ouvrir la porte. Hein. Le magicien, d'habitude, il reste derrière. C'est plus ça. Ouah, c'est quoi cette saloperie? Là, je te fais le match d'attaque. Là, c'est un match de bataille, comme ils appellent ça. T'as qu'elle explose comme l'autre. Non, ça va. Avec cette image, ah ouais, sans oublier le coup du tunnel. MJ, vous sentez une drôle d'odeur qui vous monte au nez. Ouais, ça je me souviens. Non mais faut dire... Merci du match, j'ai fait une flamme dans la main. Merci la poche de gaz. Ouais, ça c'est des trucs... Ouais, ils ont sort Luciole. Mais non, il faut qu'ils... Qu'est-ce que tu veux faire? Après c'est comme toujours des trucs comme ça où tu rigoles le plus, quoi. Parce que si tout était beau, tout était rose... Et puis il y a l'intérêt, après tout le monde se ferait chier quoi. Moi, j'aime bien faire des trucs comme ça, mais bon, ça va deux minutes. Après, voilà, il y a des scènes où c'est vachement important, où c'est beau, il y a des belles scènes de roleplay, tu vois. Les joueurs ils font de la merde quoi. Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Hein. Tu peux rien faire. Faut avoir l'esprit d'équipe après. Jouer avec des joueurs différents, c'est bien. Moi j'aime bien toujours attraper la merde des collègues. Je trouve ça marrant quoi. Ça met du piment, ça met, comment on appelle ça, du piment, du. Je sais pas si il y avait une carte. Attends, ils vont venir encore. Putain. C'est du challenge quoi. Je vais regarder s'il y avait une carte, mais il n'y a pas de carte. Peut-être table. Waouh, tabulation. Qui a pour but de faire une source de lumière. Ouais, esprit d'équipe de pas de compétition. Ouais, mais quand tu as des brouettes de merde à rattraper, ça peut être vite lourd alors qu'on est tous dans le même bateau. Ah ouais. Être patient, je te dis. Si les mecs ils comprennent pas après. Après, les mecs ils jouent leur perso comme ils jouent dans la vraie vie, quoi. Faut pas oublier qu'un dans un jeu de rôle, c'est un jeu. J'ai beau me répéter plein de fois, de rôle. Tu joues un rôle, tu joues pas ta vie, tu joues pas ton personnage, enfin, tu joues pas toi, quoi. Quoi, les mecs ils disent ouais, je jouais un nain, ouais, je joue un elfe. Si moi je le vois pas le joueur, c'est que je le vois pas jouer un nain. Je vais pas le faire jouer un nain par plaisir. À la base, oui, je suis censé faire plaisir à mes joueurs, mais moi je pense avant tout, c'est
à la partie, tu vois, on va dire, à la partie, à l'ambiance et tout, c'est ça qui est vachement important, quoi. Voilà, Dom en un, par exemple, je suis désolé, mais j'arrive pas à voir Dom en un. Il est mieux que son un. Je vois pas en un. Il le jouait comme un humain. Et Dom, pourtant, il a un sérieux bon roleplay, mais il a pas le roleplay d'un. Hein. Je suis désolé. C'est comme ça. Je sens qu'il y a une grosse bébête dans le coin. Je sais pas. J'ai un pressentiment. Certains ont l'esprit des compétitions. Ouais, bah dans ce cas-là, laisse-leur la compète, hein. Si ça les amuse. Non, merci mes souhaits. Oh, pardon. Oh. Moi j'ai toujours, faut toujours jouer les créatures, les ceux que tu, enfin, faut jouer les trucs que t'aimes pas dans un jeu de rôle. C'est là où tout est l'intérêt. Moi à la base, regarde, on parle souvent de Hakan le Pirate. Personnellement, j'ai toujours détesté jouer des combattants. J'ai toujours détesté jouer des combattants. Et d'ailleurs, Bloodlust, au début, ça m'a jamais enchanté. Hein. Je me souviens, quand j'ai commencé à toute première partie en 96, j'ai jamais apprécié Bloodlust. Hein. Et Jim dit, tu veux faire quoi? Je lui dis un truc que j'aime pas, un guerrier. Il m'a dit, tu veux faire quoi? Un pirate? C'est une sorte de viking. Vas-y, je vais faire un pirate. Ouais. Puis hop, voilà, le personnage, il est né, je l'ai travaillé, et puis c'est devenu ce que c'est devenu, quoi. Des pépettes. Oh, c'est un truc de nain, ça. Putain, je suis près de chez les nains. Ah bah non, c'est vrai, je suis un nul nain. Qu'est-ce que je suis con. Oui, des snotlings, c'est bien. Oui, allez. On va tous mourir en enfer. Putain, c'est immense, quoi. J'espère qu'il y a des cartes en extérieur parce que ça va être beau. Ah, dégage! Ce que j'aimerais bien tester, mais ça serait sûrement un complexe, c'est le haut elf. Arrogance de lui, un but de sa personne. En toute honnêteté, et je l'avais déjà dit à l'époque à GG. Hein. GG voulait tester un haut elf. Et je lui dis, t'es sûr, parce que le elf est extrêmement difficile à jouer. Même lui, il a avoué que c'était très difficile. Même lui dit, c'est plus simple de jouer un elf noir qu'un elf. Le elf, il a un sacré niveau de RP. Hein. Et puis, faut avoir un... Comment dire ? Un sens de la répartie, tu vois, c'est... Pour moi, le elf, c'est... C'est je me la pète.com quoi. C'est je me la pète, j'ai tout vu, j'ai tout fait, j'ai eu raison sur tout, vous êtes de la merde, je suis le meilleur, j'ai tout vu, j'ai tout fait, enfin tu vois, c'est ça quoi. C'est monsieur je sais tout, c'est ça. Mais après ils peuvent se le permettre, hein. C'est dans leur nature, ils sont comme ça déjà chez eux, et c'est dans leur nature. C'est genre c'est sauveur du monde, c'est les hauts elfes, rien ne serait sans les hauts elfes quoi. Ouais, c'est hautain au taquet, quoi. C'est hautain. Pour un haut elfe, c'est simple, faut partir du principe, toute race autre que haut elfe est une race inférieure. Mode connard. Oh, un nain, c'est une race inférieure. Oh, tu es un humain. Humain. Je m'appelle... Ouais, je m'appelle Talio. Non. Humain. Non. Humain. C'est ça, quoi. Les elfes sylvains, c'est des cousins bâtards. C'est des lâcheurs. C'est ça. C'est... D'ailleurs, le dans, qu'on s'appelle dans le
dans Seigneur des Anneaux, le Hobbit, pardon, le roi des Welfs, le père de Legolas, c'est un Welf et il le joue très très bien. Ah, il le joue très très bien. Je kiffe le personnage. Le roleplay, il est terrible. Ah, il le joue très très bien. Après, un haut elf très bien joué, c'est joli en roleplay. Hein. C'est joli. Après, c'est sûr que ça va pas se faire des ennemis autour de la table. Mais si les compagnons comprennent le haut elf, enfin, pas le comprennent, pas le langage, mais la psychologie, le pourquoi, etc., de par là, partout, là où il est passé, pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, ça peut devenir un ami très très puissant, un allié très 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 puissant et très très fidèle. Hein. Il faut oublier que les elfes, c'est la première race qui a été créée par les Slans, hein, donc c'est pas rien. Surtout l'expression du visage qu'il a quand l'elfette lui sous-entend qu'elle aime le nain. Même surtout pas s'il y a un nain autour de la table, ils ne seront pas amis. Non. Un nain et un elf, ça sera impossible. Impossible. C'est ça le problème. La tronche du Jésite à le tuer ou à t'écarteler là. Bah, la plus belle des choses, c'est quand le elf ment dans le Hobbit, et c'est très bien fait la scène, où justement il écoute le roi des elfes, le roi des nains, pardon. Thorin, qui parle par profond du dragon, machin, etc. On voit le haut elfe, il laisse un peu parler, tu vois. Genre, quasi. Sous merde, qu'est-ce que t'as à me dire? Il dit, machin, le dragon, nanana. Et à un moment, quand l'autre, il l'a un peu pris de haut en disant, en gros, vous êtes un haut elfe, vous avez jamais vu le feu d'un dragon, etc. Et quand il fait, j'ai vu le dragon, le feu de dragon plus près que toi, tu ne l'as vu. Et puis, il nous montre le vrai visage qu'il a eu. Genre, vas-y, ferme ta gueule, tu vois, je suis un haut elfe. Si je parle, c'est pour que je sais ce que je dis. Toi, t'es un nain, tu fermes ta gueule. En gros, c'est ça, quoi. C'est ça tout craché, hein. C'est ça. C'est, j'ai tout vu, j'ai tout fait, je sais mieux tout le monde. Mais ouais, si, vu que t'as déjà joué un elfe, ouais, moi je peux bien t'autoriser à jouer un wolf. Mais c'est chaud. Je te jure, tu vas en chier. Parce que je vais pas te lâcher d'une semelle, gros. Je vais pas te lâcher d'une semelle. Mais ça peut faire de très belles scènes de roleplay, par contre. Ça peut faire de très belles scènes de roleplay. Ah, j'ai trouvé la sortie. Ça y est. Oui, ça y est, j'ai tout visité. The Angor deceived us. Il en tire. Longueur s'est joué de nous. Il a mené droit dans un repère de rejetons du chaos, sachant pertinemment qu'il serait le premier à trépasser. Teclis, je ne m'y attendais pas. Angor ne se montrerait pas aussi loyal envers un simple culte humain. Comment cela est-il possible? Je ne sais pas, et c'est bien ce qui me chiffonne. Si les serviteurs du chaos préfèrent mourir plutôt que de dévoiler leurs secrets, nous devons alors trouver un autre moyen d'atteindre leur sanctuaire caché. Une stratégie fort judicieuse. Que suggérez-vous? Heinrich Voss connaît ces cultes du chaos mieux que quiconque à Nîmes. Allez le voir, peut-être saura-t-il comment obtenir les informations que nous cherchons. Je préférerais encore transformer cet insolent en un tas de cendres. Pardon? Rien, rien de savoir. Je suis certain que le réplicateur Voss fera un plaisir de nous aider. Putain, par exemple, voilà. L'elfe, il ne supporte pas demander de l'aide à un humain. Mais l'humain? Oh, c'est Voss, les mecs. Voss? The first répurgateur de la mort qui tue, quoi.
c'est, voilà, ça, c'est le répurgateur par excellence, quoi. À l'époque de Magnus, il a fait un carnage, le mec, là. Bénédiction de chance déverrouillée. Je sais pas ce que c'est. Ah, 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 ah. Les dieux accordent à votre personnage une bénédiction de chance, lui octroyant un bonus de butin tant qu'il y reste invaincu. Ok. Faut pas que je meure. Faut pas que je meure. Donc, déjà, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme objet de beau. Ça, c'est quoi, ça? Ok, plus d'armure. Ça, c'est une bagoulette. Ouais, la santé, je préfère la santé. Ah non, ça, je modifie pas. Bâton d'archimage de crasse. J'attends pour l'instant. On a plus d'armure, un peu de régénération de santé, on s'en fout. 504 de santé. Waouh, joli. Putain, la classe. La classe, Zangda, dis donc. Avec la petite queue de cheval derrière. Wow. On se la bête un petit peu, quand même. Hein. Ça, c'est pourri. Ça, c'est pourri. Oh, j'ai un pantalon. Ça, le casque, non, l'âme de mage, dégâts critiques. Hop, je prends ça, et le reste, c'est de la merde. Qu'on va voir le mec là, la guide des collectionneurs, et on va lui donner tout ça. On va jouer en bas les couilles. Pour moi, le plus dur jusqu'à maintenant, et j'avoue clairement de ne pas avoir été à la hauteur de l'Alfling. Non, c'est le haut elfe. Sérieusement, c'est le haut elfe. Même dans les moments les plus noirs et voir au bord de la mort, le gars reste hyper joyeux. Enfin... Ouais, oui, oui. Après, le moment le plus dur, c'est vraiment le haut elfe. Après, l'Alfling, c'est vraiment un RP à part, quoi. Et oui, les Kamfrut. Vaincront KO. Les quoi? Les Kamfrut? Qu'est-ce que tu me le racontes là? C'est quoi les Kamfrut? Allez, je veux voir Vos là. C'est ma gueule. Ah, il est roux. Là, regardez-moi ce répurgateur de fou. Vos, vous avez eu de la chance de survivre au piège de Lungor, seigneur Elantir. Seul un imbécile suit aveuglément un serviteur du chaos. Mais espionnez-vous, répurgateur? Percer des secrets est l'une de mes spécialités. J'ai des yeux et des oreilles dans chaque coin et recoin de l'Empire. Et pourtant, vous ne savez rien d'un culte du chaos qui plonge devant vous. Voilà, là on a l'exemple typique d'un haut elfe qui parle à un humain, quoi. Et c'est deux personnalités qui sont dures. On a un haut-elfe arrogant et hautain, et en face de lui, on a un mec qui « j'ai tout vu, j'ai tout fait ». C'est chaud, quoi. Je n'ai guère le temps pour des bavardages futiles. Que voulez-vous? Le grand maître du savoir pense qu'un sanctuaire est dissimulé au plus profond des égouts. Il se demande si vous pouvez l'aider à le localiser. Les fanatiques cachent souvent leurs secrets dans les symboles gravés à même leur chair putride. Restez à l'affût des tatouages complexes sur les fanatiques que vous trouverez. Vous y apercevrez peut-être similaire entre les dessins cabalistiques et l'emplacement de ce sanctuaire. Et si je vous amène l'un de ces fanatiques, pouvez-vous déchiffrer ces tatouages? Il me faut juste des tatouages, les fanatiques n'ont aucune utilité. Ça, vous ne savez pas, mes amis, mais oui, c'est vrai. C'est en original, les chefs de clan ont des tatouages de leur repère. Alors. Allez, c'est beau de dessin, là. Allez, quitte. Là, on a Midenheim, regardez bien. On a. Merde. Là. Voilà, Miden. Un prêtre guerrier de Sigmar. C'est joli. Ah, c'est vraiment au niveau de... Hop là, la boule de feu dans le temple. Désolé. J'ai mis ce clic. C'est vraiment bien fait, quoi.
C'est vraiment, ils ont vraiment respecté la chronologie, l'histoire. Débusquer le chef des fanatiques. Bon. Grosso merdo, faut pas que je meure. Ça devrait être assez simple, entre vous et moi. Alors... Ok, je suis dans quel temple? Putain, c'est beau les décors, putain! Je kiffe! Temple de Sigmar, non? Je sais pas. Si, c'est ça, ouais. Non, même pas. Un griffon. La balance. Serena. Je sais pas. Qui garde son savoir et ne partage rien avec les jeunes races. Oh là là, mais il y en a du monde là. J'ai obtenu ouragan aétérique. Faut que je regarde ce que c'est. Ah, Sigmar, putain, c'est joli. Alors. Marche entre les mondes. Là, c'est marche entre les mondes supérieurs. Des portes sur une courte distance qui crée une explosion magique à l'arrivée qui repousse les ennemis. Pouf. M'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ah, c'est ça, ouragan éthérique. Tornade magique. Tornade magique qui blesse et repose l'ennemi sur son passage. Faut que je teste, aïe. C'est le 1. Ça pourrait être marrant. On va tester ça. Ah, mais il se cheatait quand même. Par contre, c'est un bouffe magie. Hein. C'est un bouffe magie. They should conserve my energy. My spells need more power. Il y a tellement de touches qu'il faut pas s'emmêler les passes dans les touches. Vous connaissiez WoW à l'époque Bogvania, bah, il y a autant de touches que de sorts. Hein. Bon, après, on peut faire le tri, donc c'est vite fait. Moi, j'utilise pas tous les sorts, ça sert à rien. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je m'énerve. Oh, je m'énerve. Ah, je m'énerve là. Ah, ça va chier là. Excellent, j'adore. J'adore. Alors, mais oui, c'est un gentil halfling, ça doit être fun à jouer. Ouais, ça doit être marrant à jouer un halfling. Faut juste être très très optimiste. Mais être vraiment très très optimiste. C'est... Ça peut être très craintif, mais très optimiste.
I should conserve my energy. Dégage. T'es tout weak, laisse-moi tranquille. T'es tout weak. Mais ouais, la fling. C'est Talius, toi qui vois, de toute façon, c'est pas moi. Les deux sont amusants à jouer. Si tu joues à la fling, tu peux jouer à la fling, tu vas aussi t'éclater. Bah, la fling, c'est du pur soutien. Il n'y a pas de. Il y a très très rarement du contact. Hein. La fling, c'est vraiment le mec. C'est un peu comme les hobbits. Hein. C'est ça, très peu de contact. Des combats au contact, c'est vraiment du pur soutien, du fondage de gueule, des trucs qui n'ont rien à voir, complètement décalés. Oh, il y en a du monde, dis donc. Hop, 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 hop. Ouais, dégagez là, cassez-vous pas les couilles là. C'est bon? Ils sont morts? Non, toujours pas? Putain, vache. Ah, la Corée qui est mort là-haut, putain. Ah, c'est de la boucherie, j'aime bien. Oh la vache. Ah, en fait, les trucs, ils traversent l'écran, quoi. Ils traversent la map, quoi. Carte. Oh putain, c'est quoi tout ça? Attends, mais la carte elle est immense, c'est quoi ce bordel? What the fuck? Ouais, excellent, je peux interagir avec ça là-haut. Par là déjà. Allez, on va monter. Il me semble que je crois que j'ai vu le chef. Enfin, les décors sont bien jolis, je suis bien. Franchement, j'aime beaucoup.
Allez, mourir, saloperie. Massacré l'infidèle et arraché du bras et les jambes. Il est mort. Hop, on récupère ça. Voilà. Ah, dégagé. My spells need more power. Espérons que le réplicateur a raison au sujet de ce tatouage. T'es fou quoi. J'ai tout fouillé partout. 2. Souffle de feu supérieur. Ah, intéressant. I should conserve my energy. Alors, cône de feu qui blesse et enflamme les ennemis, les dégâts augmentent pendant la condition du sort. Alors, je crois que je peux pas le mettre. Non, j'ai pas assez. Moi, je vais essayer ça comme ça. Attends, que. Soin des joueurs, si j'en. Si j'en avais deux là, ça fait 10. Peut-être qu'avec ça. Attends, ça c'est quoi ça? C'est l'ouragan. L'ouragan, je m'en fous. Arbre. Ouragan. Normalement c'est ça. Ah c'est ça, sous dragon. Wouah ! Ah ça bouffe hein. Am I too weak to use my magic? Wouah, ça a bouffé un truc de magie quoi. Oh la vache, ça fait mal. Oh les dégâts. C'est abusé. C'est abusé. Death, you are beneath me. Les dégâts, ça meurt. Bon, ce qui est bien, c'est que ça marche bien. Beaucoup de dégâts.
Ok, la porte elle est en bas. Normalement je peux descendre par là. Ok, je vais descendre par là. Ok. Heureusement que ton EO elf mage fait des dégâts, sinon ce serait moyen quand même. Bah ouais. Mais je testerai. Faut que je teste le nain aussi, l'elfe, et puis l'elfe sylvain. Et puis l'humain. Bon, l'humain, je pense que c'est le tank, hein, de toute façon, c'est sûr. Pour se prendre les dégâts à la place des autres. Comme d'hab. La seule personne qui est assez faible, mais à la résistance de l'humain, d'après les statistiques. De quoi, le haut elfe? C'est celui qui a le moins de résistance? Après, c'est peut-être possible, hein, parce que... Non, l'humain. L'humain? Non, normalement, c'est l'elfe qui a le moins de résistance. C'est lui le... Oui, c'est ça. Non, l'humain, c'est lui le plus... Attends, j'ai pas suivi ta lieu. C'est quoi? L'humain, c'est le plus résistant. C'est ça. L'humain, c'est le plus résistant. Et l'elfe, c'est le haut elfe, c'est la mousse, quoi. Théoriquement, c'est ça. Hein. Le haut elfe, c'est la mousse. Hein. Ah mon dieu, il faut que j'y vendre des objets. Qu'est-ce qu'on a comme objet de beau ou de merde? Ouais. Ah ouais. Pas photo. Les bottes. Je dirais pour l'instant, mais les bottes. Plus entier des postes. Armure. Ouais, c'est mieux. Oh putain, la vache, ça dégaine. C'est joli, hein, c'est vraiment les trucs des wolves, quoi. C'est vraiment stylisé, quand même. C'est vraiment joli, ils ont vraiment fait un super beau travail, quoi. Franchement, putain, ils sont déchirés. J'adore les... Je pense à qui fait les jeux français, quoi. Ça, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Bonjour, c'est pour faire un échange, je viens vous donner des objets pour une maudite contribution. Ouais, niveau 3, 200 couronnes d'or, plus équipe de récupération. Merci pour vos efforts, voici une petite récompense, qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Compétences de guide, l'équipe de récupération. Tous les gains d'or sont augmentés. Ah ok, donc il faut que je passe les 6 levels, je pense que c'est ça. Ok. Ok, intéressant. Alors, si on est voir Voss ta mère. Alors, que dire, boss? J'ai agi selon vos conseils, les purgateurs. Voici le tatouage. Dites-moi ce qui signifie. Le symbole ne devrait pas être difficile à déchiffrer. Retournez auprès du grand maître du savoir techniste lorsque vous serez prêt. D'ici là, j'ai découvert votre destination. Ouais. 300 couronnes. Encore un point de compétence supplémentaire. Cool. Pas là, t'es dans ces quartiers. Alors, j'ai 8 points de compétence. Du coup, putain, 10 points, ça coûte cher. Projection taxi supérieure. Je mets des trucs passifs là parce que. Compétence de dieu passive, ça m'éclate ça. Voilà. Et là, je passe au prochain level. Prochain level, j'ai énergie et vie. Ah non,
À la loose. Ah ouais, faut que je les mette là en fait. Ah, d'accord. Ok, je viens de me faire niquer la gueule. Je viens de me faire niquer la gueule en fait. Ah putain, la loose. Donc. Je sais où que je vais. Non, en bas. Non. Ok. Fortune is with us, young prince. Voss has deciphered the cultist map. La chance nous sourit, jeune prince. Voss a déchiffré la carte de fanatiques et découvert l'emplacement de leur sanctuaire. Voilà qui arrive à point nommé. J'ai consulté les archives et toutes les signes laissent présager une ère prospère pour le Seigneur de la Pestilence. Kessler et son culte se réuniront dans les profondeurs pour accomplir leur rituel contre la nature. Bien, je vais réduire en cendres et ce complot s'enverra dans le néant. Tuer les fanatiques ne suffira pas, Elontir. La puissance de la ruine ne manqueront jamais de gueux indolents prêts à leur obéir aveuglément. Si nous voulons briser le pouvoir de culte, nous devions également capturer Friedrich Kessler et nous emparer de ses reliques du chaos. C'est à ce moment-là, et pas avant, que Nune sera libérée de l'emprise de Nurgle. Atteindre le sanctuaire des fanatiques. Donc pour l'instant, c'est la boucherie pure et dure. Rien de bien compliqué pour l'instant. Ah, quel principal! Donc, n'oubliez pas, mes amis, ce jeu sort, c'est Warhammer Chaos Ban. Il sort le 4 juin. Il est à 50€ sur Steam. Et via mon lien Instant Gaming plus bas, il est à 29€. Donc, profitez-en. Et on peut jouer en multijoueur. C'est du pur Warhammer. C'est du hack and slash, un Diabolike. Je sais pas si vraiment il y a plus d'or, mais. Too weak to use my magic? C'est bon, je suis mort déjà une fois. Bon, pas mort deux fois. Ça l'a pris. Plein d'objets bleus quand même. Je pense que le nain doit bien s'éclater à foncer dans le tas comme ça. Voilà. Nettoyage par le vide. Après, je vois déjà un petit problème dans le jeu.
c'est que les décors sont un petit peu répétitifs. Après, vous me direz, on est dans les égouts. Mais j'ai trouvé un petit peu répétitif. Ah, le fait des symboles, des machins et tout. Ça, pour moi, c'est normal. On est à nul, on n'a pas bougé nul, donc les décors n'ont pas changé. Mais. Oh. Oh. Hop. Disoisa. Merde, putain. Con de magicien. Putain, je dis putain, merde, je vais en arrière, il y a encore des ennemis, quoi. Pas possible, tout ça. Oh, le gros toutou. Oui. C'est parti, c'est la fiesta. Purificateur. Mort de rire. J'ai l'offi purificateur. Comment dire, je crois que c'était un boss. Alors. Concentration supérieure, cool. Donc ça c'est truc passif. Donc on avait dit inventaire. Concentration supérieure. Il faut 8 points. Donc ça, c'est la régénération d'énergie augmentée en étant statique. Régénération d'énergie et de vie. Voilà. Donc là, quand je suis statique. Bénédiction de chance. Les dieux accordent au personnage une bénédiction de chance, lui octroyant un bonus de butin tant qu'il reste invaincu. Bon bah écoute, hein, on en profite. Pas que je meure. Allumer les brasero sud. Allumer les brasero. Bon, on va commencer par le sud. Hein. Le sud pour toujours moins que le nord, hein, ce qu'on dit. Crash grave.
Non. Oh, j'ai fait mourir, saloperie. Oh, saloperie. My life does not deserve such a sacrifice. Deux fois j'ai fait mourir, hein. Putain. Abusé. My spells need more power. Ça cartonne, ça cartonne. Yo, Scarcor. Yo, la Française. Comment ça va, les amis? Mais c'est du Warhammer Chaos Band. Ça sort le 4 juin. Ça vaut 50€ sur Steam. 29€ via mon lien Instant Gaming. C'est du hack and slash, du pur Diablo 3 version Warhammer. J'en discutais justement tout à l'heure avec Talio et Maguire qui étaient venus sur la chaîne. Pour avoir mon ressenti, et franchement, ouais, je suis bien éclaté. Hein. Ouais, ça fait quoi, 3 heures que j'y joue à peu près, ouais. Ça va. Et pour l'instant, je suis bien satisfait. Et bien joli en tout cas. Un peu crevé, mais je vais pas tarder, je me refais. Et toi, comment ça va? Ça va, nickel. Ah, t'es là, mais t'es sur Vermintide. Ah. Ok. Tu as terminé le taf, Scarcor? Bah, Scarcor, on est samedi soir, t'es pas de sortie. Mon Scarcounet, tu vas être de sortie? I should conserve. Carnage. Bah. S'il vous plaît. Ah, t'avais du monde à la maison. Ouais, fait du bien de temps en temps. En profiter. C'est pas en ta gueule. Ah, la grosse bébête. Bye.
too weak to use my magic. Et boum! Ah, Nurgle, la joie dans la bonne humeur. Ouais, c'est du pur D3, de toute façon, mais version Warhammer. Là, quand t'as rien vu, au niveau des cinématiques, pas en visuel, mais c'est version BD. Elles sont très bien réalisées, quoi. Enfin, j'aime bien. Si t'as l'occasion de regarder la rediff, tu verras dès le début. J'ai laissé toutes les cinématiques au début. Pas des autres classes de perso. J'ai fait que l'hommage. Mais j'ai, au début du la cinématique, enfin début du rediff, tu verras, j'ai la cinématique d'intro du jeu, de l'intro de l'histoire, etc., etc. Franchement, ça claque. J'aime bien. C'est pas visuellement bien fait, mais scénaristiquement, c'est bien fait. Alors, à tout droit. Après, je suis en mode solo. Hein. Maintenant, ça se joue à 4. Hein. Je joue jusqu'à 4. Alors, je suspecte, comme je suis en partie normale, qu'il y a des moments où que j'arriverai pas à jouer. Alors, soit je suis très très bon joueur, soit je peux pas tout faire. Ok, sur les touches. Viennent des petits amis. Allez, le petit bras zéro, le deuxième. Le portail s'ouvre. Voilà, maintenant on peut passer. Ah, tu vas voir, c'est bien marrant. Sachant que j'ai commencé le perso au tout début, quoi. La seule chose qu'il n'y a pas, c'est appuyer sur clic gauche pour ci, appuyer sur clic droit pour ça, et c'est tout. Après, j'ai... Ah ben voilà, la française il a craqué. Il a acheté le jeu. Ça t'est cash. Bien joué, Page. Bienvenue à toi, tout le monde de Warhammer Chaos Ban. Alors. J'espère que tu as acheté sur Instant Gaming, hein, Pej. Tu n'as pas acheté chez Steam, hein. 50€ sur Steam, ça fait mal au cul. Hein. 50€ sur Steam, 30€ en... Je m'en dis, précommande. Sur IG. Oh, ça sent le boss. Riche Kessler. Contemplez mes frères et mes sœurs. L'œil d'Argoth, le seigneur Nurgle est satisfait de la chute de Magnus. Ma récompense, il m'a octroyé ses grâces. Oh putain, il a un don de Nurgle. À savoir qu'il n'est plus, mais bientôt un nouveau seigneur du chaos surgira du néant pour remplacer lui, le seigneur de la pestilence. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Ça va très bien. Wow, trois coffres. Plouf, plouf, plouf. T'as chaud à la gueule toi, non? Le culte n'existe plus, grand maître du savoir. Ces sauts n'ont guère fait le poids face à la puissance d'Azur.
Gratis de Kessler. Il s'est échappé, grand maître du savoir. Je n'ai pu l'en empêcher. Il était tout aussi puissant et notable que les monstres dont nous avons eu affaire à Kislev. Nous avons sous-estimé notre ennemi, grand maître du savoir. Cet homme n'est plus un simple chef du culte, mais peut-être bien un champion de Nurgle, béni par les mondes d'une personne. Ah ah, c'est lui un champion! Cela expliquerait la présence de Angor. Kessler les a invoqués pour lever son armée et asseoir sa puissance. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que le culte était le cadet de nos soucis. Ces fanatiques n'étaient guère plus que des pions utilisés dans un but bien précis. Nous devons débusquer Kessler, et rapidement. Retrouvez-moi à la tour lorsque vous serez prêt à continuer. C'est joli. Wow. Alors je gagne en santé, je peux en dégâts de poids, ça passe à mur. Je gagne hors supplémentaire et qualité du putain 6%. Vas-y, je mets ça. À chier. Alors là je perds la réduction de recharge. Qualité du putain 37%. Ah non. Je garde la qualité du butin. Et là, c'est de la merde. Ok. Sortir des égouts. Par là. Tu t'avais pris commande depuis quelques semaines déjà. Bah ouais, t'as fait la même chose que moi, quoi. 350 couronnes d'or. Bah j'ai reçu le mail ce matin, Pej. Un bot mail. C'est quoi ça, commence de quête, plus 10. Faveur des dieux, déverrouillé. Alors, l'arbre des dieux. Oh putain. Votre dieu vous gratifie à présent de puissantes bénédictions en échange de récompenses que vous lui offrez. L'arbre des dieux, accessible via l'onglet bougie du menu de personnage, vous permet d'augmenter vos caractéristiques et d'acquérir de puissantes compétences. Acquérir une faveur coûte des fragments de l'or et nécessite de disposer d'un point de faveur. Votre total de points de faveur maximum est égal à votre niveau. Ok. Vos hauts faits ont attiré l'attention de votre dieu. Accédez à ses dons depuis l'onglet des faveurs des vies du menu. Excellent. Alors, la bougie. Pour débloquer une faveur, vous devez posséder un point de faveur et suffisamment de fragments. Waouh, c'est azur, c'est beau. Oh putain, la vache. Alors, en gros, t'augmentes la compétence. T'augmentes la compétence, en fait. Oh putain, les petits points. Ah ouais, la merdasse, quoi. Oh putain, la vache. Et du coup, je sais même pas sur quel point aller. Sur quel point aller. Point de faveur restant, 14. Oh putain, 14. Et 27 000 pièces d'or. Déchaînement de désert, tempête asiatique, je dis pas, maître des vents. Absorption. Absorption, c'est des choses que j'utilise pas. Forteresse de volonté, déchaînement. Ah putain, c'est chaud. Moins 5 dégâts critiques, plus 10 centimes maximum. 3, 2. Et on démarre de là. Succès déverrouillé et vous serez récompensé 3 petits points. C'est n'importe quoi. Donc là, je fais déjà 2% de dégâts en plus. Alors, en gros, c'est un arbre de talent. Oh, c'est bien fait, moi j'aime bien. Alors. Plus 1 santé, plus 2% de dégâts, plus 2% de dégâts. Ah, je peux réinitialiser.
Les fragments dépensés seront perdus. Ah, attention. Ils seront perdus. Effigie du feu qui se charge, explose en quelques secondes avec un planté d'ennemi. Participer à la mort d'un champion octroie au joueur un bonus de réduction de temps de recharge. En fait, quand tu es un champion, quantité d'énergie maximale augmentée, j'ai besoin de ça. Putain, on y accède comment à ce bordel là? Ok. Tempête d'éclair magique qui blesse et ont une chance d'étourdir les ennemis lorsqu'un éclair frappe un allié, celui-ci obtient un bonus de dégâts. Oh le truc de pute. Ça c'est pas mal. Waouh. Ah ça devient cher. Quantité d'énergie maximale augmentée. Plus 1% d'énergie, 2% de dégâts, plus 10% de dégâts bonus au champion. Plus 2% de dégâts, quasi magie augmentée pour les joueurs. Vent de magie supérieure. J'ai pas assez, ok. Non, c'est pas mal. Donc du coup, modificateur d'orbe des dieux, plus 10% de dégâts critiques, plus 2% de dégâts, plus 6% d'énergie maximum, plus 4% de réduction des coups, plus 1% de régénération d'énergie, et plus 10% de dégâts aux champions. Bah, ça m'a l'air pas mal tout ça. Donc maintenant, on va aller voir lui. On va faire une petite donation. Yeah. Âme charitable. Succès verrouillé. Ok. Retournez voir Teclis et Vos. Allez, rentre dans la porte. Alors, il n'y a pas de temps à perdre, et l'on tire. Un champion de Norgul rôde en liberté sous les rues de nuit. La ville court un grand danger. Comment est-ce possible? Le culte de Kester a été décimé. Un culte du chaos n'est que le reflet insipide de son maître. La plupart des fanatiques ne sont guère plus que des queues dépravées et s'avèrent pleinement de dompter des pouvoirs qui échappent à leur entendement. Mais Kester est différent. Par un malheureux hasard, il a découvert une érudition interdite qui lui a permis de gagner des grâces de Norgul et de s'élever au rang de champion. J'aurais dû me douter de la vérité lorsque vous avez affronté les Ungor. Aucun de ces sauvages ne se retrouverait aussi loyal envers un culte humain. Ils sont là pour former l'armée du champion du chaos. On a dû leur promettre sang, chair et viscères pour leur bon et loyaux service. Maintenant que le champion a atteint son apogée, il doit payer le prix ou s'exposer au courroux de Norgul. Si Kessler lâche une meute de monstruosité sur la ville, nous serons témoins d'une hécatombe. J'ai bien mis l'histoire du tournoi. Ne spoil pas, voilà, française, je l'ai pas encore vu. Merci Scarcor, bon stream à toi aussi. Enfin, bon stream, bonne nuit à toi. Ne pas de spoil, j'ai pas vu encore l'intro du Nain, mais ça promet déjà. J'ai perçu la présence de la magie du chaos dans les profondeurs méphitiques des égouts. Fouillez la zone et suivez la trace de Kessler jusqu'à son repère. Une fois que nous aurons localisé son camp, nous déciderons de la conduite à tenir. Suivez les traces de Kessler. Ouais, je sais, je m'en doute bien que... Je sais que t'as pas spoil, c'est pas ton but. Mais ouais, je pense bien que l'histoire du Nain, déjà quand tu cliques dessus, tu sais, le perso, quand tu sélectionnes, il est comme ça, dès que tu l'as sélectionné, il fait... Obligé, ça déchire. Tu sens déjà que... Ça va tout déchirer. Tuer le Jabberslit.
J'aperçite. C'est pas un élémental de peste. De mémoire, je dis ça, tu sais. Les effets de lumière, je les trouve jolis, quoi. Je sais pas si vous les voyez comme ça. Vous voyez ? C'est joli, hein. Allez. Ouais, ça fait un peu plus de dégâts. Oh. Oh. Eh ben... C'est que du bonus. Dégagez là. Non. Allez, saloperie. Gore. Ah, ça fait mal. J'ai obtenu mes compétences l'âme fantôme. Alors, attendez. Compétence, l'âme fantôme. C'est ça. Enchaînement de trois coups qui inflige des dégâts magiques et repousse les ennemis, génère de l'énergie. Non, ça ne m'intéresse pas. Ah, ça me coûte 0. Un test. 3. C'est tout. Ouais, c'est une façon de jouer, quoi. C'est le fameux cac. C'est bien ce que je disais, c'est le fameux mage au cac. Un bon vrai tueur. Ouais, bah ça j'en doute pas, Pêche. Le bon truc, tu fonces dans le tas et tu t'éclates. Que ça me pète à la gueule, hein. Oh maman. Mais putain, pourquoi tu rentres dans le tas? Mais ah non, qu'est-ce que tu fais?
Y'a un... T'as vraiment un délire là. A contraire, il veut pas lancer de... C'est marrant ça. A contraire, il veut pas lancer de boule de feu. Il est en mode non, j'ai pas envie. C'est 89%. Ouais. 100%. C'était un carnage. Mort aux aberrations. Ouh. Il est chaud. Allez-vous, ça va? Mourrez tous dans la joie de la bonne humeur. Hop. Alors. Encore, j'aime pas là-dedans.
Gandalf. Yeah. Alors, pom pom pom. C'est du Warhammer Chaos Band, hein, c'est du Diablo 3 en mode Warhammer, ça sort le 4 juin mes amis. 50€ sur Steam, 30€ sur Instant Gaming, vous avez le lien dans ma page juste en dessous. Profitez-en, dans 3 jours il augmente de 20€. Un bon hack and slash, là j'ai testé le Wolf, et ça fait toujours plaisir. Il respecte bien l'esprit, l'ambiance de Warhammer Fantasy, c'est génial. Ça fait plaisir de voir un bon jeu, quoi. Eh ouais, bah spin more power. Moi aussi, spell more power. Dégâts partis. Oh. Ah si, si je peux en mettre plein la gueule. Oh les dents. Sa bidoche et sa mâchoire, c'est son bide, quoi. Et boum dans ta chenisse. Alors la carte, on est où là? On est bon. Oh putain.
Ça va, ça gère. Une fois que tu sais gérer, ça va tout seul. Hein. C'est un trois chemins. C'est chiant ça, les objets un peu épiques comme ça. Putain, je suis pas gagné. Hein. Et en plus, une orgueule, mon dieu, que préféré. Ah, c'est pas mon préféré. C'est vraiment le change, j'adore le change. Mais, enfin, sans tous les dieux du chaos, ils sont tous bien. Here is the path that leads to Kessler's lair. Ok. T'as aussi Neko, son dieu du chaos. C'est un vieux dieu du chaos qui est mort. Enfin, mort, entre guillemets. Puis personne ne croit en lui. J'ai compris ma besoin de grand-mère du savoir. La trace ensorcelée de Kessler menait tout droit au cœur d'une caverne ancestrale reliée aux égouts. Il s'agit d'un réseau de grottes qui s'étend à perte de vue vers l'ouest par-delà les confins de la ville. Maintenant, nous savons comment les serviteurs du chaos accédaient à nos égouts. À l'ouest de la ville se trouve une ruine immémorale, mémoriale. Peut-être mis, était-il dit son corps. Je n'en doute point. Préparez-vous, encore une fois, je vous attends. Revenez voir ce que vous avez pris à mener la sauve. Grêle arcanique supérieure. J'utilise pas. 400 couronnes d'or. Plus 20. Point de compétence supplémentaire. Cool. Retrouver Teclis et voix à l'entrée des égouts. Alors je vais voir. Ah déjà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai rien comme objet de plus, donc je vais lui donner. Cool. Plus 50, plus 50, plus 50, plus 50. Merci pour vos efforts, voici une petite récompense. Alors, qu'est-ce qu'il vient me donner comme récompense? Il m'a rien donné, enfin! Alors, j'ai pas de point de faveur. Merde. Alors, ça j'utilise pas, j'utilise pas. Ça j'ai. Marche démon, je l'ai pas. Dépenser l'énergie soigne les joueurs, 8,10%.
Gain d'expérience augmenté, ça, ça je suis obligé de laisser. Quantité maximum. Je peux pas les mettre, je vais les laisser, je suis dégoûté. Je suis obligé de laisser comme ça pour l'instant. Je vais laisser le perso là. Voilà mes amis, je vais arrêter le stream là pour ce soir. Je vous remercie en tout cas d'être venu et qu'on ait pu jouer ensemble, on a bien rigolé. Je vais vous envoyer le générique de fin et comme d'habitude je vous fais un petit host chez un de mes collègues streamers qui je... J'aime bien, tout simplement. Et pour nous, je vous retrouve tout à l'heure, à partir de 7h30, 8h, je pense, pour du ETS 2 en multi, comme tous les dimanches matin, tout simplement. En mode pourrave, c'est-à-dire pour les camions les plus pourris, avec le chargement le plus lourd, et on roule ensemble, c'est marrant. Voilà, merci à tous. Allez, ciao, ciao, bonne soirée. Et bonne nuit, reposez-vous bien. Et jouez pas trop.